Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 13 décembre 2023. Je m'appelle Émilie Tuillier, Je suis la mairesse de l'arrondissement et je vous présente les élus de notre arrondissement en commençant à ma gauche par Madame Éfidjano, qui est la conseillère du district de Bordeaux-Cartiville. Bonsoir. Ensuite Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Anseix. Bonsoir. Madame Julie Roy, conseillère du district de Saint-Sulpice. Bonsoir tout le monde. Et M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sceau au Récollet. Bonsoir. Je passe maintenant la parole à notre directrice d'arrondissement pour qu'elle se présente ainsi que son équipe. Merci, Madame la mairesse. Je suis Diane Martel, directrice de l'arrondissement de Hunsic-Cartierville. Euh, je vais laisser mes collègues se présenter à tour de rôle. Bonsoir, Marc Cardinal, directeur Performance, Greffe et Services administratifs. Bonsoir, Chantal Chateauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Linda Lajeunesse, secrétaire recherchiste. Bonsoir, Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir, Dominique Parquin, directeur des travaux publics. Bonsoir, Amélie Dubé, directrice culture, sport, loisirs et développement social. Bonsoir, Jean-Michel Brunet, commandant du poste de quartier 27. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous avons une signature du livre d'or. Nous avons déjà fait la signature avant la séance du conseil, mais les signataires sont dans la salle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire un texte pour présenter chacun des signataires. À la fin du texte, je vais demander à la personne de se lever pour que vous puissiez la voir et que nous puissions l'applaudir chaleureusement tous ensemble. Alors, nous allons commencer par monsieur Douglas Long, résident à Nice depuis 1954. Douglas Lang est un communicateur conseil à la retraite. Il a été président et copropriétaire de deux PME œuvrant dans les secteurs de la commercialisation de produits et services environnementaux novateurs, ainsi que du courtage en imprimerie pour livres d'enfants et de cuisine. Diplômé d'un baccalauréat en communication du Collège Loyola, l'Université de Montréal, M. Lang a aussi fait des études de deuxième cycle en administration à l'Université McGill. Il a œuvré pendant plusieurs années au sein de sa communauté. En effet, son engagement dans le développement économique d'Unsic-Cartierville s'est manifesté au cours des 37 années de 1984 en 2000 à 2021 à titre d'administrateur et membre des comités exécutifs de la Caisse des jardins du Centre-Nord de Montréal et de ses caisses constituantes d'Unsic. De plus, il s'est impliqué auprès des jeunes à l'Association des Braves d'Unsic durant les années 1980. Plusieurs connaissent M. Long comme membre du conseil d'administration du journal des voisins. Il y aura contribué pendant dix ans, plus précisément de 2013 à 2023, le tout récemment. Il a contribué à l'essor du journal en tant que média incontournable de nouvelles locales à Hunsic-Cartierville, occupant successivement les postes de trésorier et président. L'apport de M. Long à la communauté d'Unsec-Cartierville, que ce soit dans notre vie démocratique, collective, économique ou sportive, est indéniable. Et c'est à ce titre que nous en aurons aujourd'hui sa contribution exceptionnelle en lui faisant signer le livre d'or de l'arrondissement d'Unsec-Cartierville. Donc, Monsieur Douglas Long, félicitations. Nous avons également eu une signature conjointe pour les lutins de la rue Fouché. Thiru Ramasami, un des fondateurs des lutins de la rue Fouché, a initié ce projet altruiste avec l'idée originale de distribuer des repas chauds pendant la période des fêtes aux sans-abri du centre-ville. En 2013, il mobilise le voisinage, collecte des fonds et prépare une cinquantaine de délicieux repas de Noël ses repas sont ensuite offerts aux personnes sans domicile en signonnant le centre ville doté d'un désir sincère d'aider de générosité et de talent indéniable de chef cuisinier monsieur ramassami rassemble sa famille ses voisins et ses amis autour de ce noble projet les lutins de la rue fouché naissent à lui se joint manon baudouin sa voisine immédiate qui fut dès le début impliquée à plusieurs niveaux de la coordination des livraisons à la trésorerie. En 2014, la vente de sapins de Noël et des dons de proches permettent la distribution d'une centaine de repas. En 2015, les lutins s'associent à quatre CLSC montréalais pour distribuer des repas à des familles montréalaises. C'est aussi à ce moment-là que la chorale des lutins de la rue Fouché voit le jour. Une tradition s'instaure dans le quartier. La chorale sillonne les rues de Youville pour lever des fonds. En 2017, une collaboration avec l'organisme Le Snack marque une nouvelle étape. Un total de 461 repas sont distribués localement aux familles dans le besoin à Hunsic, aux résidents, euh, pardon, aux sans-abri du centre-ville, ainsi qu'à des organisations telles que RAP Jeunesse et SOS Itinérant. Malgré la pandémie, les lutins adaptent leur approche. Se concentrant sur les familles Duncey et Rabgenis, ils diversifiaient alors leur levée de fonds et échelonnent les distributions sur plusieurs semaines en novembre et décembre. En 2023, les lutins continuent de s'investir, tout comme les bénévoles qui gravitent autour du projet d'année en année. La distribution annuelle, prévue ce samedi, le 16 décembre, vise à fournir plus de 450 repas aux familles et sans-abri d'Onsick, ainsi qu'à ceux du centre-ville. Ce geste a pour ambition d'apporter un peu de douceur et de réconfort à ceux pour qui le temps des fêtes ne rime pas nécessairement avec réjouissance et abondance. Les lutins de la rue Fouché sont la représentation par excellence de l'impact positif que peuvent avoir des résidents dans leur communauté. Leur bienveillance envers nos populations vulnérables et leur solidarité est exemplaire. Cette signature du Livre d'Or par deux des fondateurs du projet, Thiru Ramassami et Manon Baudouin, est une signature collective qui vise à saluer et honorer l'apport de tous les lutins et lutines de la rue Fouché. Félicitations! On a la famille en plus. Là. Il y a de la relève. Il y a de la relève. Bravo. <laughs> Nous passerons maintenant au point 10.02. C'est les informations par les membres du conseil d'arrondissement. <coughs> oui, alors je vais commencer par vous présenter euh, euh, quelques dossiers. Et ensuite, je vais passer la, la parole à mes collègues. Donc, euh, vous savez qu'on fait un budget participatif dans l'arrondissement. On est à notre troisième édition. Il y a aussi un budget participatif à la ville-centre. C'était la deuxième édition. Et euh, vous avez été nombreux et nombreuses à voter, montréalais et montréalaises, mais les gens dantique cartier ville ont bien voté également. Et vous avez peut-être vu dans les médias, sinon je vous l'annonce, cinq projets ont été choisis par la population et annecyk Ville a une petite partie dans chacun de ces cinq projets. Alors, nous aurons des beaux projets dans les deux prochaines années et voici les titres des projets gagnants. Donc, les mini-forêts de Montréal, micro-parcs et micro-places, Montréal-Grimpe, gym de quartier à ciel ouvert et des aires d'activité accessibles pour toutes les générations. Je voulais aussi vous mentionner que, euh, afin de soutenir la vitalité commerciale dans, euh, à l'extérieur des territoires où il y a déjà des SDC, hein, les SDC, les sociétés de développement commercial. Euh, donc, nous, on en a trois des SDC dans l'arrondissement la Promenade Fleury, Fleury-Ouest et le District Central. Mais il y a euh, des rues commerciales et de la vitalité commerciale ailleurs. Et justement, on souhaite les soutenir. Et la Ville de Montréal, pour la première fois, a lancé un programme d'aide. Euh, financière à ces euh, collectivités, parce que c'est souvent bien des collectivités, et le, ça passait par le conseil d'arrondissement. Donc, nous, une, nous avons soumis une proposition. Et nous avons reçu euh, l'argent de la part de la ville de Montréal. Donc, c'est un total de 150 000 dollars qui vise à soutenir pour les, les deux prochaines années, avec des projets bien précis, euh, nos trois autres rues commerciales où il y a de plus en plus de vitalité. Donc, Gouin-Ouest, hein, où il y a la, la Gago, l'association des gens d'affaires de Gouin-Ouest. On a aussi Fleury-Est donc la rue Fleury, mais à l'est de Papineau, qui se développe de plus en plus, ainsi que la rue La Jeunesse, dans le secteur Youville, donc entre Crémazie et Sauvé, où on a d'ailleurs une toute nouvelle association de commerçants et de résidents. Donc, cet argent, -là, ce 150 000 permettra à l'arrondissement ainsi qu'aux trois collectivités de faire des projets et d'améliorer le dynamisme commercial dans ces rues et dans ces quartiers. Je voulais aussi vous parler rapidement de deux euh, dossiers qui sont à l'ordre du jour euh, aujourd'hui. En fait, de un dossier qui est dans l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la maison des jeunes le Squat. Hein, on a deux maisons des jeunes dans l'arrondissement, une dans quartier-ville qui est au parc de Maisy, donc dans le chalet de parc, et une euh, qui s'appelle le Squat qui est dans le secteur ANSIC qui était avant dans, euh, dans l'édifice de Sophie Barra, mais pour les problèmes qu'on connaît, on a dû euh, les relocaliser et c'est l'arrondissement qui a pris en charge la localisation de la Maison des Jeunes euh, qui est sur la jeunesse là, entre Henri Bourassa et Gouin. Et dans le dossier 20.13 ce soir, nous allons renouveler le bail pour les cinq prochaines années. Donc, pour faire en sorte là, que la Maison des Jeunes, le squat, puisse continuer à occuper les locaux et faire son travail euh, si important auprès des jeunes d'UNSIC dans ce secteur, donc pour les cinq prochaines années. Je vais maintenant passer la parole pardon, à mes collègues, en commençant par Mme Janou. Bonsoir. Alors, c'est déjà le dernier conseil d'arrondissement avant les fêtes. Je peux presque pas y croire. L'année a vraiment passé très, très vite. Alors, euh, je souhaitais déjà souhaiter euh, de joyeuses fêtes à tous et à toutes, et de vraiment d'en profiter de vous reposer et de passer du beau, des beaux moments en famille. Alors, euh, les périodes des fêtes en général sont une période très occupée dans Bordeaux-Cartiville. La fin de semaine passée, on a eu la magie de Noël organisée euh, par la GAGO, l'Association des gens d'affaires de Gouin Ouest. Euh, ce fut vraiment vraiment le fun euh, cette année. C'était dans le sous-sol de, de l'église Surgouin, euh, Notre-Dame des Anges, euh, et aussi le 10 décembre dernier, le Clic, la maison de quartier, ont organisé un moment d'échange entre les jeunes issus de l'immigration, les citoyens de la société d'accueil et les parents immigrants. Alors c'est Quelques exemples de plusieurs euh, événements et euh, de moments agréables durant le mois de décembre. Pour ceux et celles qui le peuvent, la Corbeille Bordeaux-Cartier-Ville encore une fois sollicite euh, soit des fonds, euh, des denrées non périssables pour euh, leur distribution de paniers de Noël à plusieurs familles dans le quartier. Alors, pour ceux qui connaissent la Corbeille, c'est sur du domaine euh, au coin d'O'Brien. À chaque année, ils organisent ça, puis c'est vraiment important. Moi, je continue beaucoup à les appuyer. Un grand merci à tous les bénévoles de nos organismes communautaires du quartier. On sait qu'ils sont très occupés durant cette période de l'année. Et pour leur travail tout au long de l'année. Alors, leur contribution n'a pas de prix. On les remercie. Puis, on continue à dire à quel point leur travail est important dans le quartier. On sait qu'il y a plusieurs parents qui doivent rester à la maison ces temps-ci avec leurs enfants, euh, dus aux grèves. Alors, euh, je voulais juste vous rappeler, si euh, vous n'êtes vous pas au courant, qu'il y a quelques options euh, d'activités pour les jeunes durant la journée à la bibliothèque de Cartierville, au Centre communautaire culturel de Cartierville, de 4C, l'Arena Marcelin-Wilson et la patinoire, bien sûr, bleu-blanc-bouge. Bleu, euh, euh, au parc de Mézy. Alors, si vous voulez les détails, les heures d'ouverture et de fermeture là, pour ces activités-là, vous pouvez regarder sur le site web de l'arrondissement et sur la page Facebook de l'arrondissement. Un autre gros merci à l'équipe des travaux publics pour le chargement de la neige lors de la toute première tempête de neige. Ce n'était pas une petite, c'était déjà une grosse. Alors, moi, j'ai eu euh, quelques courriels de remerciements que j'ai partagés, euh, je pense j'en ai partagé un, avec M. Paquin pour euh, un travail euh, bien fait. En général, je sais qu'il y a toujours des petites exceptions. Alors, je vous rappelle que s'il y a des enjeux, des oublis, vous appelez au 311 et euh, vos requêtes vont être traitées euh, rapidement. Puis, on, on continue à m'écrire aussi sur Facebook. C'est une autre manière de communiquer. Et finalement, pour cette période des temps des fêtes, il y en a qui ont un sapin naturel. Alors, je vais déjà parler du mois de janvier, même si c'est très, très, très loin. Alors, la collecte à la suite des fêtes pour les sapins, c'est les trois mercredis le 10, le 17 et les 24 janvier. Alors, il suffit de placer le sapin la veille devant la maison. Alors, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je passe la parole à Mme Goulet. Merci, Mme la mairesse. Alors, bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui nous, celles et ceux qui nous écoutent en ligne aussi. Merci aux équipes de l'arrondissement de rendre cette séance possible. Alors, moi aussi, j'aimerais féliciter les signataires du livre d'or de l'arrondissement, M. Long du Journal des Voisins. Et euh, M. Thiru et Madame Baudouin des Lutins de la rue Fouché, merci beaucoup. Euh, votre euh, votre rapport est inestimable, inestimable à nos communautés dans, dans ces quartiers-villes. Puis la collaboration aussi des organismes avec l'arrondissement est toujours extrêmement appréciée. Euh, J'aimerais aussi euh, remercier nos équipes. Euh, de toute la ville en fait euh, l'équipe du SUM service d'urbanisme et de mobilité la STM aussi euh, et notre équipe d'urbanisme en arrondissement aussi pour la soirée d'information et d'échange vraiment extraordinaire en ligne qui a été organisée jeudi soir dernier sur le grand projet de corridor de mobilité durable sur Henri Bourassa euh, dont euh, une partie sera implantée, comme vous le savez peut-être, là l'an prochain, entre la jeunesse et Marcelin Wilson. Plus de 250 personnes étaient présentes en ligne. Euh, on a pu répondre à une cinquantaine de questions imaginées et euh, les, les, les questions restantes, il va y avoir un, un un document qui va être produit pour le début de l'année prochaine pour répondre à toutes les autres questions. Il y a eu en, au total 200 questions posées durant cette soirée-là. Les informations transmises étaient d'une grande clarté, euh, tant sur les besoins qui motivent ce projet-là comme sur les, les aménagements euh, qui seront implantés. Alors, euh, maintenant, moi, j'aurais un seul point à souligner euh, à l'ordre du jour de ce soir. Euh, en 20.10, on va euh, signer une nouvelle entente avec euh, l'organisme Prévention du crime en Sic-Cartiville, euh, ancien tandem en Cartier-Ville que les gens connaissent, pour son nouveau plan d'action en sécurité urbaine dans l'arrondissement. C'est un contrat de 198 000 pour 2024. Et j'en profite aussi au passage pour remercier l'équipe de l'arrondissement en développement social qui a travaillé euh, en collaboration avec l'organisme cette nouvelle entente-là. On connaît l'expertise de PCAC Tandem depuis plusieurs années là auprès des aînés. Euh, ils font des cafés rencontres, des ateliers pour prévenir la fraude. Euh, ça va continuer évidemment. La patrouille vélo aussi dans les parcs qui sillonnent l'arrondissement l'été, ça va continuer. Ils vont continuer aussi d'offrir des services peut-être moins connus mais en médiation sociale. Si jamais, par exemple, vous vivez ou vous êtes témoin de conflits de voisinage, bien, on peut s'adresser à PCAC pour faire de l'intervention et de la médiation sociale. C'est super intéressant. Mais il y a des nouveautés aussi dans cette entente-là euh, qui, euh, qui touchent des nouveaux leviers dans le fond de résilience urbaine. Par exemple, euh, PCAC va donner des ateliers sur le harcèlement de rue euh, auprès des femmes et aussi auprès euh, de personnes qui peuvent agir comme témoins de harcèlement de rue euh, dans l'espace public, mais aussi dans les transports en commun, parce que c'est l'affaire de toutes et de tous. Il va aussi euh, mettre en place une brigade terrain qui va faire du porte-à-porte -porte sur les enjeux de sécurité urbaine, avec un objectif d'aller euh, faire du porte-à-porte. Auprès de 1000 portes l'an prochain. Et euh, donc, ce que PCAC veut à travers cette entente-là, c'est vraiment élargir son spectre d'intervention pour travailler à la fois la prévention, en sécurité, en renforcement aussi de, de la sécurité, du sentiment de sécurité dans la population, mais aussi les enjeux de cohabitation sociale dans l'espace public. Voilà. Maintenant, sur les événements à venir avec le temps des fêtes qui s'en vient, bien, l'arrondissement a encore produit cette année une magnifique brochure de suggestions d'activités gratuites pendant les fêtes dans nos parcs, nos arénas, les patinoires, les bibliothèques, les lieux de diffusion culturelle pour des sorties familiales ou des d'autres types de spectacles. Vous avez euh, cette brochure-là à, à l'entrée. J'espère que vous l'avez prise. Elle va être aussi distribuée dans les paniers de Noël euh, du snack et de la corbeille Bordeaux-Cartier-Ville. On sera d'ailleurs, euh, plusieurs de mes collègues élus, au magasin partage de Noël du snack mercredi prochain en matinée au centre communautaire Hanzig pour accompagner les familles qui vont venir faire une épicerie à petit prix pour le temps des fêtes. Je vous invite aussi, si vous le pouvez, à faire un don en ligne. Tous les montants sont utiles. À l'adresse lesnac.com ou encore à donner de votre temps parce qu'ils ont toujours besoin de bénévoles, surtout en cette période de l'année. Et avec euh, l'inflation, la grève dans le secteur public, vous-même, vous pouvez peut-être avoir besoin euh, d'aide et vous pouvez toujours appeler le 211 qui est un centre de ressources soutenu, entre autres, par la ville de Montréal pour toutes sortes de références communautaires, de l'aide alimentaire ou d'autres types de services. Enfin, bien, je veux vous souhaiter à tout le monde vraiment un heureux temps des fêtes, en sécurité, en santé. Puis je vous invite aussi, euh, comme ma collègue, à encourager l'achat local, notamment sur euh, la rue Fleury-Ouest dans mon district. Alors, merci, bonne fin de soirée. Merci, je passe maintenant la parole à Mme Roy. Merci Madame la mairesse, bonjour à tous et à toutes, puis à ceux qui nous suivent en ligne aussi pour ce dernier Conseil d'arrondissement de l'année. Moi aussi, je voudrais souligner les signataires du Livre d'Or qu'on a été très fiers d'accueillir juste avant ce Conseil d'arrondissement. Euh, J'ai euh, évidemment un, un coup de cœur particulier pour les lutins de la rue Fouché qui sont euh, sur la rue du même nom. Euh, on sera à leur côté le 16 décembre pour euh, la distribution. Ils ont tellement de bénévoles qu'il n'y euh, a même plus besoin de, de venir les aider pour les, la distribution des repas en revanche ils sont toujours en recherche de dons donc comme mes collègues je vous invite si pour ceux et celles qui peuvent se permettre un petit don de contribuer à cette initiative extraordinaire qui est organisée par des citoyens c'était leur dixième année c'est incroyable qu'une initiative citoyenne existe aussi longtemps donc bravo à elle et à eux comme on parle du temps des fêtes je voudrais vous partager d'autres initiatives qui ont lieu en ce moment euh, par exemple, euh, j'étais à l'école John Caboto euh, la semaine dernière pour un marché de Noël. Il y a une fête de Noël qui est organisée au Loisir Christ-Roi ce samedi pour les enfants, avec le vrai Père Noël qui sera là. Et il y a d'autres marchés de Noël, par exemple aux ateliers Belleville et à la brasserie Silo à deux pas d'ici, euh, qui regroupent uniquement des, des artisans du quartier. Donc, une belle manière là aussi d'encourager de, l'achat local. Comme on parle du temps des fêtes, je vais aussi parler des patinoires. Vous allez remarquer plusieurs changements dans les parcs cette année. Au parc Henri Julien, habituellement, c'est une patinoire à bande pour faire du hockey. Mais comme il y a des travaux cette année, ce sera une patinoire de loisirs. Et comme les travaux commencent en décembre, ils vont, ils vont se terminer au printemps. Mais donc l'année prochaine, la patinoire à bande reviendra. Pour faire des matchs de hockey cette année, il faudra aller au parc Saint-Alphonse ou à Berteloire. Euh, et dans le parc Saint-Simon, juste à côté d'ici, pour la, le premier hiver, ce sera un anneau de 400 mètres, donc de quoi aller occuper les enfants pendant les grèves, si la météo est avec nous. Euh, parlant de météo, on a vécu notre première tempête au début du mois, euh, il y en aura d'autres, je voudrais souligner une initiative euh, dont on a déjà parlé, qui a été mise en place dans le quartier Saint-Simon. Une, une, il y a un, un stationnement mutualisé qui a vu le jour au 50 Louvain-Ouest, qui permet de réserver sa place de stationnement en avance euh, en ligne avec le, le site Click and Park. Euh, mais cette, ce, cet espace-là est gratuit dans les, pendant les opérations de chargement de neige pour les résidents du, marché, du district central et du, du quartier Saint-Simon. Donc, pour y accéder, encore une fois, il faut, faut habiter dans ce coin-là. Il faut d'abord aller sur l'application Click and Park, euh, entrer vos, vos informations personnelles, puis euh, aller sur le site de la, de la ville pour récupérer un code euh, que vous entrez dans l'application Click and Park. Donc, euh, ça, ça vous permettra de, de vous stationner pendant les, les opérations de chargement de neige. Euh, autre petite information technique il y a une modification des collectes euh, pendant la, le temps des fêtes. Donc, les ordures ménagères du 25 et du 1er janvier vont être devancées au 23 et au 30. Et les matières recyclables sont décalées, elles, de 4 jours. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là en ligne et sur la page Facebook de, de l'arrondissement. Euh, donc, je vous souhaite un bon temps des fêtes en famille avec de la neige. J'espère, j'en profite pour remercier les équipes ici. Qui sont présentes du 1er janvier au 31 décembre, tout le, tout le temps, toute la nuit, qui, qui s'occupent de la neige, qui s'occupent du verglas pour, pour, en, ce qui, en ce qui concerne les travaux publics, qui organisent les activités que ma collègue Madame Goulet a présentées. Donc, merci aux, aux équipes d'être avec nous. Merci à vous, les citoyens, de, de venir assister à ces conseils-là. Je vous souhaite un bon conseil puis un bon temps des fêtes. Merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Normand. Merci beaucoup, Mme Tulier. Bonsoir, tout le monde. Euh, moi, je souhaitais vous parler du euh, nouveau marché de Noël de la promenade Fleury. Donc, il y a eu euh, deux itérations déjà le samedi 2, samedi 9 décembre, puis il y aura la dernière itération le samedi euh, 16 décembre qui s'en vient. C'est de 10h à 17h, ça se déroule dans le stationnement Fleury-Chambard. Et euh, il y a plusieurs activités, euh, évidemment, rencontre avec le Père Noël, avec Fleurimont, la mascotte de la Promenade Fleury, des kiosques avec des breuvages chauds, il y a quelques commerçants qui sont mis en exergue également, un espace foyer, des performances musicales, vente de sapins et couronnes. Donc, ce samedi, dernière édition du nouveau marché de Noël de la Promenade Fleury. On a parlé, euh, déjà, mes collègues en ont parlé de... Du petit dépliant là, de suggestions des activités hivernales. Puis moi, je voulais rappeler qu'on avait maintenant dans le saut récollet une nouvelle patinoire à bande au Parc des Hirondelles. Ça fait donc la troisième patinoire extérieure dans le saut récollet avec celle du Parc Sceau-Récollet et celle du Parc Saint-Paul-de-la-Croix. Et euh, comme on le découvre dans la petite brochure, du 19 janvier au 25 février, on peut aussi emprunter du matériel, euh, de l'équipement d'hiver. Euh, Sportifs au parc Saut-Récollet, donc notamment ski, fat bike, patin, ski de fond, raquette, donc euh, en distribution gratuite euh, en prêt d'équipement au parc Saut-Récollet. On a parlé aussi, à Mme Tullier l'a fait, du budget participatif de la Ville-Centre, des projets retenus. Puis un de ces projets-là va se dérouler de manière bien concrète dans ce récollet Donc, une des micro-places qui sera réalisée sera une micro-place publique à l'angle des rues Partenay et Prieur. Donc, on a aménagé, vous le savez sûrement, là, le nouveau lien cyclable prolongé sur Prieur-Est. Euh, qui passe par là. Puis la configuration de ce secteur-là est spéciale. On a un, un chemin qui passe en diagonale, puis on a les rues ensuite de part et d'autre. Euh, qui font deux directions. Donc, cet espace-là, central, diagonal, est en partie une piste cyclable, mais l'autre partie est un espace euh, dédié aux piétons, entouré de petits espaces verdis. Et donc, on va pouvoir, avec euh, les sous du budget participatif, euh, mettre du mobilier urbain, euh, de la signalisation, euh, du marquage au sol, puis rendre cette, euh, cet emplacement-là plus dynamique, plus accessible pour tout le monde. Si jamais, d'ailleurs, euh, vous avez envie de vous impliquer sur la, la co-création de cet espace-là, je vous invite à m'écrire directement par courriel. Euh, finalement, au niveau de la collecte des résidus alimentaires, donc dans Saint-Sulpice, on a parlé d'autres collectes. Dans ce récolte, c'est vraiment la collecte des résidus alimentaires, donc du compostage qui va être modifié pour le temps des fêtes. Donc, les collectes qui étaient prévues le 25 décembre et le 1er janvier vont être devancées au 23 et au 30 décembre. Par contre, tous les autres, toutes les autres collectes vont être maintenues. Euh, donc, quand on parle d'ordures ménagères, encombrants, matières recyclables aux dates prévues. Donc, de la même manière, si vous doutez, là, on vous invite à consulter euh, la page Internet de l'arrondissement. Et sur ce, donc, je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on est maintenant euh, au point 10.03. C'est la période d'intervention du public sur euh, la demande de dérogation mineure. Il n'y a aucune demande. Alors 10.04 correspondance et dépôt de documents, il n'y a aucun document non plus. Alors 10.05, c'est la période de questions du public. Alors si vous voulez peut-être Madame Chateauvert juste nous rappeler les règles de régie interne s'il vous plaît. Alors, la période de questions est d'une durée de 60 minutes. La mairesse accorde la parole aux personnes désireuses de poser une question selon l'ordre suivant. D'abord aux personnes présentes dans la salle qui se sont inscrites à la période de questions. Ensuite, aux personnes présentes dans la salle ayant transmis leurs questions par Internet. Et enfin, aux personnes ayant transmis leurs questions par Internet. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question, et les questions sur un même sujet sont limitées à trois. On vous demande d'éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Madame Tuillier, qui redirigera vos questions besoin. Merci. Merci. Alors, je vais inviter la première personne à s'être inscrite, Yves Alavo. Bonsoir, Madame Bonsoir. la Présidente. J'espère que je ne vais pas abuser de votre patience. J'aurai comme trois sections. Là, on va vous demander d'essayer d'avoir être... une question puis une sous-question. Bon, alors, même pas d'introduction, rien. Mais une, petite, petite une petite introduction, une je, question. L'introduction <laughs> que je voulais faire, c'était d'abord pour vous dire que euh, euh, nous sommes dans une séance ordinaire du Conseil. Mais moi, je trouve que ce n'est pas un Conseil ordinaire ici dans la mesure où je trouve, en voyant tout ce qui s'est fait depuis deux ans, qu'il y a un travail remarquable qui est fait ici. C'est sûr que là où ça marche, là où les choses vont bien, on ne fait pas les manchettes des journaux. Ça, c'est la première chose. La question que je voulais poser, euh, elle est euh, peut-être à, à trois petits tiroirs, c'était un peu, euh, je ne sais pas si cela se fait déjà, est-ce que c'est une interrogation ou une suggestion, mais la question, elle porte sur novembre 2021, novembre 2023, deux ans, deux ans déjà. Est-ce possible pour notre bonne gouverne, pour les citoyens, et citoyennes, d'avoir comme une espèce de synthèse, un peu de bilan par rapport aux engagements qui ont été faits, un bilan de deux ans, pour dire voilà à peu près. Et à l'intérieur de ce bilan, j'avais une interrogation sur Là, il y a une réflexion, il y a des travaux majeurs qui vont se faire à la Maison de la Culture, à une cycle sur la jeunesse. Est-ce qu'il y a un échéancier Il y a quelque chose qui peut se, se dire là-dessus. Et euh, l'autre aspect, c'était un peu euh, les priorités, peut-être pour les deux ans qui viennent. Alors, j'espère que je peux pas abuser de votre patience. Mais Et, merci. oui. Ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, ça fait bientôt un, un quart de siècle que je vis dans l'arrondissement. Et je peux vous dire, pour le travail que vous faites, pour les fonctionnaires, les collègues qui, qui travaillent, il y a de plus en plus, je me fais le porte-parole de plusieurs personnes autour de moi, il y a vraiment de la satisfaction et il y a une appréciation remarquable de l'esprit et de la façon dont les services sont rendus. Alors, ça, je me permets de le dire. Alors, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes aussi. Merci. Bien, merci beaucoup, Monsieur Alavo, et pour vos bons mots là qui sont partagés avec toute l'équipe de l'arrondissement. Euh, depuis qu'on est arrivé, ça fait six ans, mais en fait, votre question parle il y a deux ans. Donc, on a adopté ici même au conseil d'arrondissement un plan stratégique 2022-25 qui est sur internet. Là, on pourra vous envoyer l'hyperlien. Donc, un plan justement sur quatre ans avec des objectifs très précis. Et chaque année, on vote au conseil d'arrondissement en février les priorités pour l'année en cours. Et l'année suivante, donc en général, ça se fait aussi en février, mais par la suite, le bilan euh, chiffré même de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Donc le bilan de l'année 2022, il est déjà euh, en ligne. Le bilan de l'année 2023 sera euh, mis en ligne, euh, on imagine, on espère, en février euh, prochain. Et euh, ben, ça se passe bien, hein, général, globalement, là, parce qu'on ne peut pas passer trop de temps, mais disons que euh, l'arrondissement continue. À travailler sur deux grands projets. Le Centre culturel et communautaire de Quartier-Ville qui a ouvert ses portes dans les deux dernières années. Là, je pense que ça a été un point vraiment important. On a inauguré il n'y a pas très longtemps la cuisine communautaire. On continue aussi à travailler sur l'éco-quartier Louvain-Est, donc un très grand projet. Puis sinon, on a des objectifs un peu annuels euh, qui reviennent, mais qui sont toujours aussi pertinents. Donc, euh, apaiser la circulation avec les cendres aux planter 1300 arbres pour vraiment verdir euh, le quartier, faire la sécurisation autour des écoles. Aussi, mine de rien, en deux ans, c'est 10 écoles qu'on a sécurisées là, partout dans l'arrondissement en mettant des saillies végétalisées. On met aussi de plus en plus de saillies drainantes. On a fait d'ailleurs, puis vous l'avez dit, on n'a pas fait les manchettes, mais c'est extraordinaire, la première rue éponge, hein, on en, peut en parler maintenant, de c'est la rue Sacville juste au nord de Fleury, c'est vraiment extraordinaire, je vous invite à aller voir là, la rue euh, va dans le parc, c'est vraiment une rue éponge et euh, ben, la cure de jouvence de nos parcs locaux là, je ne vais pas nommer tous les parcs qu'on a fait dans les deux dernières années mais euh, trois, quatre parcs par année qu'on refait, Là, c'est vraiment beaucoup concernant la maison de la culture il euh, faudra vous revenir on n'a pas d'échéancier précis en ce moment sauf pour les gradins puisqu'on a déjà donné le contrat. On va changer les gradins à la maison de la culture et euh, on va le faire à l'été 2024 pour ne pas impacter la programmation de la maison de la culture parce qu'on sait qu'elle est très achalandée. Euh, mais pour le reste, effectivement, il y a d'autres travaux, changer un peu euh, sur Fleury, puis de faire une meilleure signalisation à l'intérieur et tout ça. Mais euh, je n'ai pas d'échéancier à vous transmettre maintenant, donc on pourra euh, peut-être vous transmettre plus d'informations par courriel. Et maintenant, j'invite Wo Shinto. M, faux pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Corinne. Ah, je suis désolée, je, je lis Instagram. ce qui est écrit là, je suis désolée. En fait, euh, je suis là aujourd'hui par rapport à une situation que, que je vis, que les autres, euh, mes autres voisins vivent. Puis j'avais une question euh, concernant euh, l'octroi de permis. Alors, j'ai résumé brièvement ce qui se passe. Je vis dans un logement, de, dans un immeuble à logement de 31 unités. Euh, tout allait bien jusqu'au 28 octobre 2022, où nous avons euh, reçu du propriétaire un avis d'éviction, comme quoi il va y avoir des démolitions. Et euh, pour faire l'histoire courte, nous restons 4 sur euh, les 31 qui habitons là, fait que. Les autres ont été écœurés par les manœuvres, puis ils sont partis. Et quelque part en novembre, nous avons fait une plainte parce que nous n'avions pas de chauffage. Entre autres, les travaux ont commencé, se sont poursuivis de façon illégale, puis nous n'avons pas eu de chauffage. Et nous avons fait une plainte au niveau de la ville. Un inspecteur s'est déplacé et à la suite de son, de, de son inspection pour chauffage, il a découvert plusieurs infractions qui ont été faites. Et on a eu accès au rapport euh, de l'inspecteur. Euh, parmi les infractions, euh, je ne sais pas si c'est important que je vous donne les infractions, mais dans le fond, le permis qui avait été délivré pour faire certains travaux a été délivré antérieurement au début des travaux. Fait que le permis datait du mois d'août. Les travaux ont commencé au mois de mai. La vie d'éviction, toute la procédure et les manœuvres ont commencé euh, en octobre 2022. Puis l'inspecteur se rend compte des infractions, des actions, des travaux qui ont été faits illégalement, sans permis en novembre. Alors ma question est de savoir, est-ce que par ces temps de rénoviction, est-ce que les procédures d'octroi de permis sont les mêmes? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait? Est-ce que, parce que je suis convaincue que s'il y avait eu euh, une vérification lorsque la demande de, de permis avait été faite en août, bah, la ville aurait constaté que les travaux ont déjà commencé de façon... Euh, je trouve même pas les mots, c'est tellement illégal, c'est tellement euh, inhumain ce qui se passe là présentement. La ville aurait constaté, peut-être une enquête aurait été faite, quelque chose se serait passé, mais pas qu'en novembre Heureusement qu'on s'est plaint pour le chauffage et c'est là qu'on a découvert qu'en fait il y a plein de choses qui ont été faites sans aucune autorisation. Est-ce que les procédures d'octroi sont les mêmes Est-ce qu'il y, est qu y a une démarche qui va être faite pour ralentir ça Parce que tous, tous ces actes ont contribué à faire partir les 27 autres, à vider les 27 autres logements. Et que nous sommes là, nous restons quatre. On ne sait pas ce qui va arriver. Les travaux se poursuivent. L'inspecteur est venu, il a fait ce qu'il a pu. Le lendemain, le, les propriétaires ont recommencé leur euh, démarche, puis on a rappelé. Puis là, on voit qu'ils sont en train de. Est-ce que, est que la ville peut faire quelque chose pour arrêter ces manœuvres de rénovation Écoutez, je vous remercie pour votre question et je vois qu'on a votre courriel. Donc, on va assurément euh, vous écrire par courriel pour prendre. Euh, L'adresse exactement. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des choses euh, en, en lien. Euh, il y a déjà des, des liens avec les inspecteurs là, qui sont faits. Mais c'est sûr que là, nous, on n'a pas l'information précise sur votre bâtiment, mais assurément, là, des gens euh, de notre bureau vont entrer en contact avec vous pour le bâtiment précisément, puis voir ce qui, se peut, ce qui se fait en ce moment, ce qui peut se faire de plus. Je vous dirais que malheureusement, le concept de rénovation qu'on comprend tous n'existe pas dans la loi. Hein, ça n'existe pas dans la loi provincial où ça devrait exister s'il y a un lieu où ça doit exister. Et au niveau municipal, la compétence de l'arrondissement, elle est sur le bâtiment. Elle n'est jamais sur les gens. Et d'ailleurs, tous les enjeux qu'il y a entre les propriétaires et les locataires sont vraiment gérés au niveau du gouvernement provincial avec le TAL. Donc, l'arrondissement est vraiment compétent sur ce qu'il se passe dans le bâtiment par rapport au bâtiment. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une procédure différente de permis pour des rénovations par, a, des rénovations par rapport à d'autres choses? Non, parce que la procédure, elle est par rapport à une demande de permis X, Y, Z. Est-ce qu'il y a une inspection en tout temps de tous les permis qui sont délivrés pour voir si les gens qui demandent des permis font exactement les travaux qu'ils ont demandés? Ben, dans l'idéal, oui, mais euh, je vous cacherai pas que la réponse en ce moment est plutôt non, parce qu'il y a beaucoup de permis euh, qui sont donnés pour euh, rénover des petits ou grands édifices. Et donc, c'est pour ça que le suivi se fait euh, comme vous l'avez fait souvent par plainte. Et oui, effectivement, vous avez euh, bien fait d'appeler appeler au pour faire une plainte par rapport au chauffage, puis ensuite effectivement il y a des démarches vraiment rigoureuses avec les inspecteurs qui vont pouvoir faire le suivi euh, de tout ce qui a été fait sans permis euh, et autres, et de faire en sorte que quand il y a des gens qui habitent, ben, euh, que les conditions euh, soient respectées pour que les personnes puissent habiter. Donc je peux pas aller beaucoup plus loin au niveau de, de votre cas précis, mais assurément l'on prendra contact avec vous pour euh, faire le suivi. Alors maintenant j'invite euh Carina Montembeau. Euh, bonjour. Bonsoir. Ma première, bonsoir tout le monde. Euh, ma première question euh, porte sur euh, l'immeuble au 10 500 L'Acadie. Euh, L'arrondissement a voté la, euh, des permis où le Conseil consultatif d'urbanisme a permis l'agrandissement de l'immeuble. Et euh, en conséquence de cette décision-là, il y a 20 locataires qui vont être Renault et C'est-à-dire qu'on émet des permis pour faire des travaux majeurs, mais euh, on a reçu, les locataires ont reçu des avis des propriétaires en date d'aujourd'hui. Les avis, que leur bail vont être terminés au 31 mai 2024 l'immeuble subira un agrandissement et, par ce fait même, votre amendement devra être démoli complètement afin de pouvoir s'intégrer au nouvel immeuble. Donc, ma question est est-ce que euh, l'arrondissement quartier cartierville a considéré dans sa décision le fait qu'on est en crise de logement, il y a une pénurie super importante, qu'il y a 20 ménages locataires qui vont être évincés, est-ce que euh, est-ce que l'arrondissement a considéré que euh, ces locataires-là devraient se reloger? Est-ce qu'il y a des vérifications qui ont été faites sur euh, de quelle manière ce propriétaire-là allait, ce qu'il envisageait de faire pour minimiser les conséquences auprès de ces 20 ménages locataires-là dans l'arrondissement? Est-ce que l'arrondissement pourrait pas Vu les circonstances importantes, l'inflation, euh, le manque de logements locatifs, pensez à mettre, faire un moratoire dans ces demandes d'agrandissement de, puis de subdivision de logements, considérant les conséquences très graves sur des ménages qui paient des loyers nettement en bas du prix du marché. Donc, moi, je vous demande de songer sérieusement. Je veux dire, dans la, vous avez, oui, le TAL a la compétence, mais l'émission des permis, c'est l'arrondissement qui le fait. Et là, vous avez des compétences et les réglementations municipales peuvent être euh, <coughs> modifiées. Je vous donne un exemple à Verdun. Dans le cas des six plex, il y a un moratoire et le, les, les, les élus de projet Montréal ont voté une réglementation qui empêche de convertir, d'éliminer de, des logements. Donc, je, je vous demande de songer, allez-vous songer, oui ou non, considérant la pénurie de logements et l'impact que ça a, ça ces rénovations-là, la possibilité de réviser la, la réglementation municipale dans l'émission des permis pour tenir compte de la situation actuelle. Je vous donne un exemple concret, je vais finir avec ça. Vous allez voir que ça touche des humains. Ce n'est pas juste un permis qu'on émet. Je veux dire, moi, je trouve ça vraiment choquant là, que vous ayez permis la démolition je, sans considérer l'impact que ça aurait sur 20 ménages. Donc, puis, est-ce que vous allez faire quelque chose pour aider ces locataires-là qui sont évincés parce que vous émettez des permis, mais après ça, eux autres, c'est nous qui les recevons au comité de logement, puis c'est eux autres qui sont en détresse. Je vous donne un autre exemple. Oui, juste terminer peut-être okay. rapidement, parce que je passe la Après, parole à M. Normand. Une dame qui peut pas venir parce qu'elle travaille, elle s'appelle Madame France Bergeron. Elle demeure au 10444 rue Maillard à Montréal. Ça fait plus de 20 ans qu'elle vit dans son logement. Oui, Excusez-moi, Madame Montambault, je ouais. vous arrête là, puisque le 10 500, l'Acadie, c'est un projet spécifique. Oui. M. Normand pourra vous répondre sur le projet. Mais je vais juste finir avec ben, ça. Ben non, parce que c'est une autre. Okay, mais la c'est un autre projet complètement. D'accord. Donc, euh, je vais passer la parole à M. Normand, qui est le président là, du CCU. Merci pour la question. Merci, Mme Tulier. Bien, effectivement, on a vu le projet. Le projet, à terme, c'est évidemment des centaines de logements supplémentaires. Donc, tu sais, le, le CCU se prononce sur l'intégration du nouveau bâtiment au complexe immobilier actuel, sur euh, l'intégration architecturale, sur les commodités qu'il y a là, sur la pertinence d'augmenter la densité sur le site. C'est sur ces questions-là que se prononce le CCU. Puis effectivement, à terme, on parle de centaines de logements supplémentaires. Ceci dit, moi je pense que toutes les... Tous les angles que vous nommez où on pourrait améliorer la réglementation pour faire en sorte qu'on minimise les angles morts, euh, on, on va le faire assurément. Mais euh, je, je doute que ce soit au CCU. Je ne vois pas en tout cas la prise réglementaire que le CCU aurait de plus. Mais on pourra regarder au niveau de l'arrondissement qu'est-ce qui peut être fait ou non euh, dans un tel contexte. Je vais juste vous donner un exemple parce que je comprends que c'est un projet oui. particulier. Mais là, je vais vous ça. parler d'un exemple d'un cisplex dans Antique. Mm -hmm où il y a une dame, ça fait plus de 20 ans qu'elle vit dans son logement sur la rue Meilleur, Ok? Elle paye un loyer vraiment pas cher, elle paye 476 par mois. Elle s'est battue avec ses deux autres de ses voisins parce que la plomberie ne marchait pas dans son logement. Elle n'avait pas d'eau chaude. Les inspecteurs de la ville ont fait leur travail. Finalement, elle a fini par avoir de l'eau chaude, sont allés au son total pour avoir des, des indemnités. Mais il y a un des trois locataires qui n'en pouvait plus qui a parti. À l'automne 2023, la locataire a reçu un avis d'éviction parce que le propriétaire, le, lo, le, le logement où -ce que la locataire est, il est parti, il restait libre tout ce temps-là. À l'automne 2023, le propriétaire envoie un avis d'éviction à cette euh, locataire-là pour, pour dire qu'il va prendre les deux, trois et demi puis qu'il va, qu va le convertir en un six et demi. Et apparemment, dans, sa, dans la vie d'éviction que le propriétaire envoyait à la locataire, l'arrondissement aurait émis les permis pour faire ces travaux-là. Donc, cette dame-là elle se retrouve devant le tal, elle, attachée à son quartier qui est antique, un déraciné, et puis à se demande comment ça se fait que l'arrondissement, en, en, en pleine période de crise de logement, je pourrais vous donner son nom et ses coordonnées, a permis ça qu'on réduise le nombre d'unités de logements locatifs alors qu'il manque de logements. Donc, moi, ce que je veux savoir, je veux dire, ce n'est pas le seul cas qu'on appelle ça des, des évictions pour agrandissement ou subdivision de logements. Est-ce que vous pouvez envisager la possibilité de, faire, de décréter un moratoire dans l'émission de permis? Ou est-ce qu'on subdivise des logements ou qu'on réduit un nombre d'unités de logements? d'unités de logement locatif tant et aussi longtemps que la pénurie de logement sera pas en haut de, le taux d'inoccupation ne sera pas en haut de 3% puis euh, aussi pour protéger ces logements là qui sont Souvent en bas loyer. Est-ce qu'il y aurait moyen que vous vous assoyez et vous regardiez cette réglementation municipale pour minimiser ces impacts-là? C'est ça ma question. Oui, merci beaucoup, Madame Montembou. Je la comprends très bien, mais je souhaitais que Monsieur Normand vous réponde sur le projet particulier ouais. parce qu'effectivement, il y avait un projet particulier très spécifique pour l'Acadie. Concernant votre autre question, puis on va prendre l'adresse, pas tant la, la coordonnée de la dame, mais pour avoir une idée. Euh, du type parce que quand on est arrivé là, il y, a, ben, il y a six ans, on est arrivé, mais il y a cinq ans, là, on a revu la réglementation d'arrondissement par rapport à ces sujets-là et on a pris certaines décisions. On a vraiment resserré les règles pour faire en sorte qu'il y a des choses qui étaient permises qui ne soient plus permises. Il y a des choses qu'on a laissées. Je vous dirais, en toute connaissance de cause, mais avec beaucoup d'échanges avec les élus qui étaient là à l'époque. Puis, euh, ce qu'on regarde aussi dans l'arrondissement, bien sûr, le taux d'inoccupation, mais il y a aussi beaucoup les, la taille des logements. On a beaucoup euh, de grandes familles dans l'arrondissement qui n'ont pas forcément aussi beaucoup d'argent. Puis, il y a la taille des logements qui est importante aussi. À l'époque, il y a cinq ans ou peut-être quatre ans, là, quand on a changé notre réglementation, c'est vraiment ça qu'on a pris comme euh, décision en regard de la situation qu'il y avait à ce moment-là. Effectivement, force est de constater que la situation a évolué, malheureusement pas euh, dans, les bon, dans le bon sens dans les dernières années. Donc, euh, moi, je pense que ce qu'on entend aujourd'hui avec les collègues, on va revisiter euh, no, notre règlement. En fait, ce n'est pas tant un remoratoire qu'on pourrait faire que faire un nouveau, ben, en fait, modifier le règlement pour venir interdire certaines choses. Ceci dit, comme je vous dis... On n'a pas pris la décision à la légère. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Donc bien sûr, il y a les gens qui sont déjà là, mais il y a aussi qu'est-ce que ça permet de faire comme logement euh, par ailleurs. Et surtout, surtout malheureusement, l'arrondissement n'est pas responsable de ce que les loca le, le locataire fait avec le propriétaire puis de ce que le propriétaire euh, propose euh, au locataire par la suite. Donc ça, ça nous échappe. Mais je comprends très bien ce que vous euh, dites, qu'évidemment, du moment qu'il y a un permis qui a été donné, ben effectivement. Euh, ça met des gens euh, dans, dans une grande vulnérabilité. Donc, on va le regarder. Puis je vous remercie de votre présence euh, ce soir. Et je passerai à la prochaine question, qui est Rita Pradolin. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Rita Pradolin. J'habite à Annecy-Quartier-Ville. Juste parler dans le micro, s'il vous plaît. Oui, euh, j'habite à Annecy-Quartier-Ville. Et c'était une question sur les reprises des logements. Euh, Lorsqu'un locataire est victime d'une reprise de logement, il est très difficile d'établir la preuve que la personne qui est bénéficiaire de la reprise est bien celle qui va habiter le logement. En tant que locataire, nous devons nous transformer en détective. C'est connu. Les reprises de mauvaise foi concernent assez souvent des logements qui sont habités par des locataires qui ont un logement à un prix en dessous du prix du marché. Ils y habitent depuis de nombreuses années et ils sont déracinés, sans compter qu'ils ne pourront jamais trouver un logement à la mesure de leurs moyens par la suite. Je considère que les élus locaux sont en mesure de mettre en place des outils qui vont aider les locataires dans leur démarche pour défendre leurs droits face aux reprises de mauvaise foi. La Ville de Montréal, avec son projet de certification responsable, qui devrait s'appliquer à tous les logements et non pas seulement aux immeubles de huit logements et plus, pourrait diffuser non pas seulement le montant des loyers, mais aussi le nom des personnes signataires des baux. Ainsi, les locataires qui doutent de la bonne foi, et ça arrive beaucoup, qui doutent de la bonne foi des propriétaires auraient un outil valable pour défendre leurs droits. Madame la mairesse, est-ce que vous comptez travailler en ce sens pour l'intérêt des locataires de votre arrondissement? Merci. Je vous remercie, Madame Pradolin, et euh, je sais que vous considérez beaucoup de choses, mais malheureusement, vous nous donnez plus de pouvoir que nous en avons. Donc, beaucoup de vos propositions, qui sont très bonnes, relèvent véritablement du gouvernement du Québec, notamment, par exemple, les données nominatives. Le municipal n'a pas le droit de gérer des données nominatives. Le fait de vous défendre devant le Tal, ce n'est pas non plus de compétence euh, euh, municipale, pardon, c'est de compétence provinciale. nous comprenons vraiment <laughs> l'enjeu, mais nous vous invitons. Puis c'est dommage hein, à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas la période de questions que nous on a. Mais je vous invite avec le clac de faire cette même rencontre, mais avec vos députés provinciaux, parce que ce sont des choses effectivement que le gouvernement provincial doit mettre en place. Et nous, au municipal, euh, on y croit tellement, puis on a tellement euh, le désir, comme vous, d'aller de l'avant. Et de faire des changements, mais on essaie de les induire en allant euh, vraiment euh, en dehors de la boîte de nos compétences, tout en restant quand même dans nos compétences. Et c'est pour ça qu'on vient de mettre en place la certification responsable. Puis quand on dit mettre en place, ben c'est le concept, c'est aller en consultation publique. Puis là, bientôt, là, va commencer la mise en place, donc la certification, mais là, ça veut dire des inspections et tout ça. Donc, vous voyez, on est très proactif au niveau municipal, mais à l'intérieur de nos compétences. Puis beaucoup de de choses que vous avez proposé, euh, Je vous invite vraiment à en faire la demande aux députés euh, provinciaux. Ceci dit, nous, les élus municipaux, euh, je pense que tout le monde sait où on loge et on fait beaucoup de représentations aussi auprès du provincial. Pour qu'il euh, y ait des choses euh, qui changent, mais on, on essaie de le faire euh, de, notre, de notre côté. Puis je comprends votre volonté d'aller vers les huit logements et moins. Ceci dit, je vous dirais que si on arrive à bien mettre en place notre certificat, notre certification euh, de propriétaire responsable pour les huit logements et plus, bien, ça va être déjà un gros gain. Puis disons qu'on va prendre une bouchée à la fois, puis on va commencer avec ce programme-là. Alors euh, j'invite maintenant Anne Levac-Noiseux. Okay. Euh, bonjour. Bonsoir. Euh, okay. euh, ça va concerner la rénovation. Là. Je vais essayer de la synthétiser. Mais euh, en gros, nous, au comité logement, on a constaté que euh, depuis décembre, 2000, euh, ouais, décembre 2023, il y a eu euh, au moins 217 euh, cas de rénovation. Euh, Excusez-moi, 217? Oui, 217, qui okay. a été recensé au comité logement. Excusez-moi, je n'ai juste pas entendu ouais. le mot après. de rénovations, des de rénovation, cas de rénovation. OK. okay. Euh, fac en gros euh, nous qu'est-ce qu'on constate c'est qu'il y a beaucoup de d'abus du propriétaire au niveau de la, la euh, des permis euh, pour euh, un peu euh, mélanger les locataires dans euh, la réalisation des travaux fac on on réalise que euh, les propriétaires souvent euh, vont euh, utiliser euh, les travaux majeurs pour expulser des locataires c'est le civil c'est euh, euh, plus un autre euh, truc. Mais euh, pour qu ce qui est des émissions de permis, euh, euh, c'est euh, la ville qui s'en occupe, l'arrondissement, et euh, on constate que souvent, euh, il y a eu un manque de transparence au niveau de qu ce qui est euh, les permis qui nécessitent vraiment... Euh, comment dire Parce qu'ils ont pu les là. Euh, les permis que les propriétaires redemandent, comme leur kit... Comment la ville pourrait euh, s'assurer que les permis euh, euh, qui nécessitent des grosses rénovations euh, soient mieux encadrés pour s'assurer qu'il y ait une procédure mieux euh, établie pour s'assurer que les locataires soient euh, plus, mieux orientés ou même que euh, les locataires sachent... Euh, si oui ou non, le pro leur propriétaire leur a le permis ou même, mais est-ce que, qu est -ce que le pro leur propriétaire leur dit comme travaux? Comme, est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire comme exemple? Euh, je vais faire un exemple. Il y a eu des locataires qui se en sont fait dire, OK, on va faire un travail qui va nécessiter de démolir les murs, de changer les toilettes, de changer les fenêtres, etc des travaux tellement importants qui ont euh, fait peur aux locataires et donc les locataires ont décidé de partir. Mais ce n'est pas les vrais travaux qui étaient permis aux propriétaires. Fait, dans un contexte que les propriétaires jouent du manque de transparence des permis, euh, comment la ville pourrait mettre en place ce, euh, un fonctionnement qui pourrait permettre une meilleure transparence que les locataires pourraient avoir accès, de savoir plus facilement que la demande d'accès qui prend un certain temps et tout, euh, de savoir quel permis... A été établi au propriétaire et comment euh, ces permis-là peut avoir un impact sur leur euh, leur maintien dans les lieux. Mm -hmm. ça. Mais c'est une très bonne euh, question. Puis euh, comme je le disais, c'est sûr que l'arrondissement est vraiment responsable du bâtiment et non de tout ce qui se passe par la suite entre le loca les locataires et le propriétaire. On va regarder. Avec la secrétaire d'arrondissement et ou la direction du développement euh, du territoire là, sur euh, le permis, à quel point c'est public ou euh, comment, quand on en fait la demande, combien de temps ça prend et tout ça, ça, sûrement, on peut le regarder. Puis, euh, je pense que de la même façon, dans l'arrondissement, on a un, une collaboration entre l'arrondissement et le CLAC pour euh, les questions de salubrité, bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous interpeller dans ces cas-là aussi, parce que c'est sûr, comme on le disait tout à l'heure, si un propriétaire ne fait pas les travaux qui sont écrits dans son permis, euh, ben vous, vous le savez très probablement avant l'arrondissement. Donc, euh, c'est important qu'on puisse le faire, puis qu'on puisse envoyer des inspecteurs pour valider effectivement quels travaux sont faits, puis est-ce que c'est ça qui était écrit dans le permis. Après... En ce moment, ce n'est pas le travail de l'arrondissement d'aller informer chacun des locataires pour dire, bien, les travaux qui sont faits en ce moment nécessitent que vous déménagiez ou pas, puis votre propriétaire doit euh, vous, euh, vous compenser. Ça, c'est vraiment de l'ordre de la défense de droit. Vous le faites très bien. Euh, puis j'imagine, je sais très bien que tous les organismes communautaires ont des enjeux au niveau du financement. Euh, donc, je pense que c'est ce qu'on peut regarder, là, des, des façons d'améliorer de, la, la, la transmission des permis, puis d'avoir une meilleure communication entre nos deux organisations pour qu'on puisse plus rapidement voir là où il y a des enjeux, puis euh, agir pour euh, la protection des, des euh, locataires où il y a des grands travaux dans leurs immeubles. Donc, merci pour les pistes de solution. J'appellerai maintenant Nadia Oulari. Bonsoir. Bonsoir. bonsoir, madame Tulier. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, merci de cette opportunité. Donc, euh, ma question touche à l'enjeu de la santé, de la salubrité et de la sécurité euh, dans mon quartier qui est Bordeaux Quartier Ville, où je reste, où je demeure. Ça fait à peu près maintenant huit euh, ans. Mais cela fait trois ans que j'habite dans un logement dont les conditions de salubrité, de sécurité, de santé sont scandaleuses, sont inhumaines. Mais vraiment précaire à un niveau inimaginable. Donc, je vous épargne quand même les détails et les exemples. Mais c'est vraiment quelque chose de scandaleux. J'ai euh, assumé la responsabilité de vivre dans cet environnement-là, étant donné la conjoncture actuelle à Montréal, la cherté du loyer et euh, aussi ma vulnérabilité économique euh, sur le plan emploi. Donc, j'ai dû assumer, mais au dépens de ma santé mais vraiment au dépens de ma santé. Donc j'ai essayé effectivement de trouver des solutions à l'amiable avec le propriétaire, mais hélas, aucun résultat positif. Au contraire, j'ai été confrontée à une attitude extrêmement hautaine, loin d'être collaborative, loin d'être humaine, à un désengagement total de toute responsabilité vis-à-vis de -vis l'entretien, de l'investissement d'une un, bâtisse qui est vraiment ancienne, où il y a énormément de vies qui dépendent de ces logements et qui sont carrément euh, traités comme des moins que rien, pas des humains, loin de là. Donc euh, j'ai été confrontée à, vraiment à des agressions, à un traitement euh, extrêmement irrespectueux, abusif de la part de ce propriétaire, qui abusait de, de, de ses droits, étant donné que c'est un propriétaire. Bref, euh, étant donné la pression qui était exercée sur moi, j'ai dû impliquer la ville, l'inspecteur du logement, qui s'était effecti effectivement mobilisé pour voir l'état des lieux. Donc, euh, il, a, il, a, il a observé, il est venu, il a, il a produit un rapport d'inspection. Mais vraiment, à mon grand choc, il n'y avait eu aucun suivi de la part de l'inspecteur concernant ma situation actuelle. Il n'y avait eu aucune prise d'action vraiment concrète de la part du propriétaire. On dirait que rien ne s'est passé. On dirait que je ne vis pas là. Je n'existe pas. Tout simplement. Ma question, euh, j'adresse à Madame peut-être à euh, Gianou, euh, qui est l'élue de, de mon quartier, je pense. Euh, quels sont les moyens de pression que la ville peut exercer sur ce genre de propriétaires véreux, totalement inhumain, irrespectueux des droits humains Est-ce qu'il y a des lois Est-ce qu'il y a des moyens de pression vraiment euh, pesant qui puissent confronter ces gens-là et les, les, les mettre devant le fait accompli qu'il s'agit de vie, qu'il s'agit de vie qui dépend de ces logements, que le logement c'est un droit humain de base et que étant donné qu'on paie notre loyer régulièrement, qu'on est dans le respect total des, des lois là, qui de nos obligations comme locataires, qu'on est aussi censé d'avoir des, des droits en échange là, au moins du respect, un traitement respectueux, et puis une réponse, euh, une réponse urgente et efficace à nos, à nos besoins. La santé, la salubrité, ce sont des, ce sont des conditions essentielles et fondamentales euh, du logement là. Une, des infestations scandaleuses euh, que ce soit de réels, d'araignées que je vis au quotidien des fissures mais vraiment dangereuses au niveau de, des murs du plafond de, 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 des suites d'eau euh, à la longue pendant des mois que j'ai subi dans ce logement et pourtant il n'y avait absolument aucune mobilisation de la part de cette personne qui est propriétaire et vraiment euh, Loin de prendre au sérieux un constat d'une autorité de la ville qui est l'inspecteur du logement, mais aucunement. Donc je m'adresse à vous que vous puissiez vraiment nous donner, euh, euh, au moins nous, nous réconforter qu'il y a des lois, qu'il y a des lois qu'il faut prendre au sérieux et qu'il y a des conséquences euh, qui, qui sont sérieuses en, en la matière. Merci de votre temps. Merci, Madame Janot. Ben, honnêtement, euh, je vous entends, puis je suis, euh, je suis vraiment bouleversée de vous entendre, puis je suis, euh, je suis même un peu enragée d'entendre ça. Euh, puis la première chose que j'allais vous demander, c'est si vous avez appelé la ville, si un inspecteur est venu vous voir. Là, vous avez dit qu'un inspecteur est venu vous voir, que vous n'avez reçu aucun suivi. Alors, je veux dire, je connais pas les, les, les règles ou les étapes de suivi. Puis je ne sais pas, c'est quoi aussi l'échéancier C'était à quel moment que l'inspecteur est venu Est-ce qu'il a eu la chance de produire son rapport J'ai aucun détail. Alors, je veux pas. Euh, Permettez-moi, Madame ouais. Gémou, que euh, la visite de l'inspecteur, euh, c'est-à-dire s'est produite au mois d'août. Au mois d'août de cette année, de l'année courante. Et on est maintenant au mois de bientôt janvier, là, décembre. Aucun écho. Mais aucunement. Moi, de mon côté, c'est-à-dire, j'ai continué à garder le contact et la communication avec l'inspecteur du logement par téléphone et par courriel. Mais il y avait vraiment un froid bizarre de la part de l'inspecteur. Aucun, il y avait eu un détachement. Il y a un détachement de la part de, de l'inspecteur du logement. Euh, aucune implication, euh, aucune, une, aucune démonstration d'une volonté de de, de de faire avancer le dossier. Aucun partage, euh, aucune empathie de la part de l'inspecteur. Voilà quatre mois que je souffre dans les mêmes conditions lamentables qui nuisent à ma santé mentale, physique, à, à, mon sens de, à mon sens de la vie même. À quoi bon vivre si on ne peut même pas se permettre un logement qui répond à notre dignité comme humain Merci, Mme Oulari. Je... je vais laisser Mme Djanou terminer. J'allais juste tout simplement dire, je pense que là, on a vos informations. J'imagine qu'on a l'adresse complète et tout là, de, votre, de votre logement. Alors, donnez-nous la chance de regarder avec le, le, le directeur et de cette équipe-là. De regarder la situation où on en était rendu dans les étapes et bien voir là, ce qui se passe dans votre dossier pour pouvoir faire un suivi avec vous. Euh, puis, je ne sais pas, peut-être qu'on peut expliquer c'est quoi le processus normal, mais c'est sûr que ce n'est pas ça le processus normal. Alors, je pense que ça serait peut-être intéressant d'avoir de, de, cette explication-là. Dans une situation ordinaire, quel est le processus quand un, un inspecteur va évaluer? Une certaine propriété, fait que je pense que ce serait intéressant de l'expliquer. Puis je vais m'assurer qu'on vous revienne pour votre cas précis avec votre adresse, parce qu'en ce moment, euh, on vous entend, mais il faut vraiment qu'on regarde là, ce qui s'est passé puis ce qui se passe en ce moment. Exactement. Merci beaucoup. J'invite maintenant Ginette Dussault. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. J'ai écrit un résumé pour rien oublier de notre situation, mais ça ne devrait pas prendre trop de votre temps. Nous, les locataires, Jean-Pierre Huchet et moi-même, Ginette Dussault, du 10 135 Avenue Durham, appartement 2, dans l'arrondissement Onsic, nous vous interpellons pour que vous agissiez en tant qu'élu, pour que soient contrôlées les conditions d'exécution des travaux majeurs afin d'éviter les conséquences négatives qui peuvent être liées aux travaux. Des travaux majeurs ont été entrepris dans notre immeuble le 11 avril 2023, sans qu'un avis écrit soit donné au locataire. Suite à cela, dû à l'ampleur des travaux, nous avons communiqué avec un inspecteur de la ville afin de vérifier si un permis devait être émis. Les travaux étaient très importants enlever l'amiante, refaire des murs, plafonds, changer les armoires de cuisine et réparer la plomberie. Suite à un sinistre dû à un écoulement d'eau. L'inspecteur de l'arrondissement nous a répondu qu'un permis n'était pas nécessaire, bien que les bruits soient excessifs et qu'une évacuation des logements soit requise pour une durée d'un mois, car selon lui, il s'agissait de travaux d'entretien. Nous, Jean-Pierre et moi, avons insisté auprès de la propriétaire pour recevoir un avis écrit pour connaître les travaux, les conditions, leur durée et l'indemnisation conformément au bail. Après les travaux commencés, le 24 avril, un avis écrit nous a été remis. Comme il n'était pas conforme au Code du logement, nous avons refusé l'accès à notre logement. Nous voulions simplement que les conditions du bail soient respectées. Nous, les locataires qui payent également des taxes municipales, croyons que dans les cas où des travaux majeurs sont requis et qu'une évacuation est nécessaire, un permis devrait être exigé afin d'éviter le stress que nous avons vécu. Aussi, l'arrondissement devrait vérifier si les locataires sont relocalisés et indemnisés convenablement en vertu du Code du logement, comment justifier que, selon l'inspecteur, les travaux requis étaient classés entretien et qu'aucun permis était nécessaire? Celui-ci a-t-il fait preuve de négligence? Un encadrement plus rigoureux et un suivi des travaux est souhaitable afin d'éviter les abus des propriétaires et le découragement des locataires qui peuvent en venir à quitter leur logement. Dans le contexte actuel de la crise du logement, nous, les locataires, croyons que des amendements devraient être apportés à la réglementation municipale afin d'harmoniser celle-ci au Code du logement, car dans le cas présent, la propriétaire a pu rénover des logements sans env envoyer les avis conformes au Code civil du logement. Et si elle a pu se soustraire à ses obligations. Merci. Pour vous répondre, je vais passer la parole à Mme Goulet. Bien, écoutez, merci beaucoup, Mme Dussault, pour votre témoignage. D'ailleurs, j'apprécierais si vous pouviez m'envoyer, vous avez ça, je crois, par écrit, là, votre ouais, euh, cas particulier avec tous les détails, oui. et les processus que vous avez fait, tout ça, ça peut être très, très aidant pour la suite du dossier. Euh, effectivement, vous avez des droits, vous les connaissez, vous les avez fait valoir là, en ce qui concerne la relocalisation et tout ça. Maintenant, il faudra aller euh, vérifier quelle évaluation a été faite des travaux. Euh, le propriétaire a peut-être fait des travaux euh, qui qui n'est euh, supplémentaires sans permis, ça arrive. Ouais. Et quels sont les recours dans ce cas-là euh, qu'on pourrait euh, faire On va en discuter okay. avec nos services. Euh, on est dans un processus de révision actuellement réglementaire de notre règlement d'urbanisme. On va voir ce qu'on peut faire, ce qui relève de nous, ce qui relève euh, de, du, du, euh, de, du provincial. Okay. Mais si des liens peuvent être améliorés, oui, justement, totalement. parce que vous, vous montrez bien qu'il y a comme des failles, oui. ben, ça, on peut y travailler, tout à fait. Puis c'est vraiment des, des exemples comme le vôtre, là, malheureux comme le vôtre, mais qui peuvent nous aider à bien identifier les problèmes, puis... Euh, à, à suggérer des, des solutions. Bien, merci beaucoup. J'apprécie. Ça va me faire plaisir de vous communiquer mon résumé. Merci. Merci. Beaucoup. Bon courage pour la suite. Merci. Merci. J'invite maintenant Claude Aumont. Ma question s'adresse à Mme Goulet. Bonsoir. Bonsoir, madame. Euh, on avait discuté de notre problème de, de stationnement avec, euh, avec euh, nos permis de ne pas stationner sur la rue. Et on n'a pas entendu de vos nouvelles. Est-ce que vous avez une adresse euh, précise ou une rue? 725 Henri-Bourassa Est. 725 Henri-Bourassa Oui, la résidence à... Albert-Benoît. Okay. Oui. Donc, Mme Goulet. Bien, bonsoir, M. Aumont. Merci d'être revenu de nouveau euh, au Conseil d'arrondissement. Écoutez, on prend la situation bien au sérieux. On fait des vérifications à l'heure actuelle auprès de nos travaux publics, euh, auprès euh, de notre équipe en circulation également. Puis dès que je vais avoir une proposition à vous faire, ou en tout cas, euh, je vais vous revenir. Je, je vous avais euh, bien expliqué le mois dernier qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour travailler une solution. On comprend très bien que vous perdez des places de stationnement réservées pendant l'hiver. Euh, alors, on est en mode solution, mais la rue est petite. En tout cas, on, on, on regarde ça de près. Je veux juste vous l'assurer. Puis dès que j'ai des nouvelles pour vous, ça va me faire plaisir d'aller à votre rencontre. Bonjour, merci. Euh, en, mais en attendant, est-ce que je pourrais vous faire une suggestion? Oui. Vous connaissez ce mur qu'ils mettent sur, la, sur ce bout de rue? Est-ce qu'on pourrait... Avoir trois places de stationnement pour, les, pour cet hiver, toujours pas se faire harceler par les poseurs de contraventions. Ben écoutez, c'est exactement ce qu'on est en train de regarder, là, parce qu'il faut quand même sécuriser euh, le passage là, des camions vers la chute à neige. On est vraiment euh, dans le petit Henri-Bourassa, euh, au coin de Milan et, et Henri-Bourassa. Est. Et alors, on regarde ça. Euh, il faut quand même qu'il qu y ait qu des, des, des mailles de béton là, euh, installées pour sécuriser pour le, le passage des camions vers la chute à neige. Mais sachez qu'on qu est vraiment en mode solution et on va voir ce qui est possible de, de faire. Il, il y a peut-être des choses impossibles aussi, mais je vais vous donner l'heure juste dès que possible, très bientôt. Mais pour l'hiver qui vient, là les trois places de stationnement le, le long de, de, de ce mur en béton là, là qui, qui nuit une et, 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 et nuit nous enlève nos places de stationnement avec euh, ah vous suggéreriez de, de, poser, de mettre des places sur le, le long du mur bien, juste ben, écoute, ça n'en prend pas trois là ça okay. en prendrait une pour okay. que les poseurs d'étiquettes sachent qu'on qu peut stationner là. Euh, pour le restant de l'hiver, toujours. Très bien. Écoutez, je suis déjà allé voir hein, plusieurs résidents ouais, de la résidence à ce sujet-là. Ouais, Peut-être qu'une autre rencontre terrain serait nécessaire, je m'en rends compte, avec vous. Donc, laissez-moi regarder ça okay. d'ici les fêtes ou très, très tôt après le retour. Très bien. Mais euh, je m'engage à ce qu'on travaille ça ensemble au mieux de ce qui est possible. Maintenant, vous savez. Merci. Excusez-moi, M. Aumont, je vous ai permis <laughs> trois questions. Alors, Madame Goulet sera disponible d'une autre façon si bien, vous avez besoin de lui parler. Beaucoup. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup. J'inviterai maintenant Gilles Larocque. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me trouve vraiment chanceux de ne pas avoir de problème avec mon propriétaire. Je sympathise avec tout ce monde-là. Moi, je veux juste revenir sur euh, mon intervention au dernier conseil concernant la circulation, c'est-à-dire le détour que la nouvelle signalisation nous oblige à faire quand on roule en direction nord sur Christophe Colomb pour prendre Métropolitain à gauche. Là, je vous avais mentionné que vous nous forciez à faire un détour de plus, un petit peu plus qu'un kilomètre. Ce sur quoi, je n'ai pas été bien surpris, mais M. Normand a vraiment minimisé l'impact en disant Voyons, c'est deux, deux coins de rue. ben là, vous l'avez approuvé. C'est peut-être deux coins de rue, parce que les rues, ils ne débouchent pas jusqu'à Crémazie à cause mmh. du grand bâtiment commercial, puis à cause de l'école. Mais la distance, le détour que vous nous forcez à faire, c'est équivalent à la distance sur prieur entre Christophe Colomb, Saint-Hubert et revenir à Christophe Colomb. Ça, c'est l'équivalent de sept coins de rue et non pas rien. Oh ben non, il y a, y a là. Deux petites coins de rue, ça, c'est. pas grave, cela. Et si vous avez des doutes sur la distance, ben j'invite M. Normand à ajuster l'odomètre de sa bicyclette puis d'aller mesurer deux, trois fois. c'est vraiment vous, plus qu'un oui, kilomètre. Je vous arrête là. Vous, je vais vous laisser continuer par la suite. Je veux juste qu'on s'entende bien sur les faits. Je n'ai pas remis en doute ce que vous disiez. Ce que j'ai dit, c'est que M. Normand avait raison de dire que c'était deux coins de rue et que vous aviez raison de dire que c'était un long détour. Donc, les faits sont importants. Alors, je ne veux pas que vous... Comment dire, disiez que Monsieur Normand vous a menti, vous a dit n'importe quoi. C'est un petit peu ça que vous êtes en train de nous dire. Monsieur Normand avait raison de vous dire que c'était deux coins de rue. Ce sont deux longs coins de rue soit, mais ce qu'il a dit est exact. Alors je vous laisse continuer puis rester dans les faits s'il vous plaît, oui. Monsieur Larocque. Sinon, on pourra je vais pas rester dans okay? les faits et je vais inviter tout le monde à faire ce que j'ai fait ce matin. C'est tellement le fun le, de, de pouvoir réécouter un conseil. Et puis ils vont bien voir ce que vous m'avez répondu puisque ce M. Normand avait dit. Alors, moi, j'ai ici l'article du journal de Montréal d'avant-hier concernant les craintes des commerçants sur Henri Bourassa avec ce qui s'en vient. Euh, je les comprends, mais ce que je voudrais que vous expliquiez, si vraiment vous avez répondu ça aux journalistes, là, vous avez dit, vous auriez dit, je m'excuse, on a la nécessité d'avoir un lien cycliste S-Ouest complet. C'est vraiment notre, c'est vraiment un projet de mobilité et notre objectif est de revitaliser le secteur. Expliquez-moi la première partie. L'obligation d'un lien cycliste S-Ouest sur Henri-Bourassa, quand il y en a tout le tour. En fait, le lien cycliste que nous allons faire sur Henri Bourassan sera le seul et l'unique lien cycliste possible, même sur une carte, entre Annecy Cartierville et Saint-Laurent. C'est tout simple, c'est juste ça. Et c'est une oui, obligation tout à fait de faire ça. Bien sûr. Il est sûr qu'on a l'obligation de permettre aux cyclistes, s'ils le veulent, de pouvoir se transporter et se balader et aller au travail, parce qu'il y a plein de gens Quartier-Ville qui étudient et qui travaillent à Saint-Laurent. Il y a des gens de Saint-Laurent qui étudient et qui travaillent à Annecy. Effectivement, il y a la gare du Ruisseau qui ouvre. Alors, la réponse, elle est très simple et elle est factuelle. Ce sera le seul lien cycliste. Sécuritaire, mais même ce lien, ce point-là, entre Saint-Laurent et yannick Et même si vous devez compliquer la vie aux commerçants et aussi aux consommateurs qui vont appuyer ces commerces-là. Parce que quand vous dites que vous avez l'obligation, vous nous avez dit la même chose sur Christophe Colomb vous aviez l'obligation d'avoir deux pistes cyclables. Hey, allez donc vous asseoir sur n'importe quel balcon sur Christophe Colomb et puis comptez. Bien entre 7h et 9h, puis en passant l'heure de stationnement, jamais changé encore, M. Normand. Alors, euh, comptez entre 7h et 8h le nombre d'autos puis le nombre de vélos. Puis vous allez avoir assez des doigts d'une seule main pour le nombre de vélos, mais vous allez avoir besoin de plusieurs dizaines et cent de, de mains pour les, les, les autos. Alors, c'est de même. Moi, aujourd'hui, là, je suis parti maison maisonneuve je m'en venais jusque chez nous. J'ai croisé sur des rues. Où il y a des cyclistes. Oui, oui. J'en ai croisé un seul. Puis ce pas une heure tellement spéciale. Non, non. C'était à deux heures de l'après-midi. Alors, hein, où l'obligation de leur ouvrir les voies, puis d'en avoir tant que ça, et de tout faire ça au détriment des, des automobilistes, puis des commerçants, surtout, sur rendez-vous à ça. Parce que c'est vrai vous allez en faire mourir. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Et ben, il y a beaucoup d'opinions aussi. Euh, puis vous avez le droit d'avoir vos opinions et les commerçants ont le droit d'avoir euh, leurs opinions aussi. Ceci dit, il y a les faits. Puis, comme euh, Mme Goulet l'a bien dit tout à l'heure, lors de la, 7, la séance du 7 décembre, d'ailleurs, la séance va être en ligne ou l'est déjà. Là, donc, on peut réécouter la séance sur Henri Bourassant. Beaucoup de questions ont été euh, données. Il y aura du stationnement sur les rues transversales pour l'accès au commerce, il y aura des livraisons qui vont être permises sur Henri Bourassant euh, à l'extérieur des heures de pointe. Donc, il y a des aménagements qui ont été d'ailleurs travaillés avec chacun euh, des commerçants. Et euh, ben, il y a des commerçants qui ont quitté, euh, ben, pas des commerçants, mais au moins un, mais bien avant le projet, parce que l'enjeu en ce moment d'Henri Bourassant, ce euh, n'est pas tant le projet qui s'en vient, qui, oui, c'est un projet de revitalisation urbaine, l'enjeu en ce moment sur Henri Bourassant. Euh, il y en a beaucoup d'autres. Il y a le prix des loyers, mais il y a aussi le fait que la rue n'est pas si achalandée que ça. Et justement, d'ajouter de l'achalandage, tout mode confondu, sur une rue où il y a des commerces, ça ne peut être que bénéfique pour les commerces. Donc, oui, on travaille avec les commerçants. Bien sûr qu'il y a un, une crainte du changement, c'est tout à fait normal. Euh, il y a des inquiétudes. À chaque fois qu'il y a des changements, il y a des inquiétudes. La ville, les élus euh, et tout le monde est là pour accompagner les gens dans cette gestion du changement. Et oui, la piste sur Henri-Bourassa va être vraiment utile. Avec Madame Goulet, nous avons rencontré euh, le cégep Bois-de-Boulogne qui, mon Dieu, attend cette piste-là depuis tellement longtemps. Les gens qui travaillent à l'hôpital Sacré-Cœur, j'ai eu déjà plusieurs rencontres dans les dernières années, sont tellement heureux. Les gens qui sont à Saint-Laurent ont très hâte de pouvoir venir dans l'arrondissement aussi. Donc ça, c'est pour Henri Bourassant. Puis sur Christophe Colomb, mais écoutez, là, elle a été faite cette année. Il y aura l'année prochaine, il va y avoir toutes les autres années. C'est sûr que vous êtes au tout au bout de la piste, Christophe Colomb. Hein? Donc, vous voyez peu de cyclistes probablement parce que vous êtes vraiment au bout. Mais je peux vous dire que plus on descend vers le sud, oui, plus il y a des gens, et quand il y aura aussi la piste sur Henri Bourassa qui va connecter avec Christophe Colomb, bien, il va avoir tous les cyclistes qui viennent d'Henri Bourassa qui prendront Christophe Colomb. Et Christophe Colomb, mine de rien, ça a sécurisé du même coup toutes les intersections. Puis c'est sûr que quand il y a des améliorations, on ne les voit pas mais moi je suis aussi automobiliste comme vous monsieur Normand les aussi rappelez-vous comment quand on voulait tourner à gauche puis qu'il y avait la piste cyclable ou même à droite on regardait puis il fallait regarder les vélos dans les deux sens puis on avait peur à chaque fois qu'on tournait parce qu'il fallait regarder les vélos dans les deux sens c'est très dangereux comme configuration du jour au lendemain avec cette piste cyclable deux unidirectionnelle on a sécurisé toutes les intersections sur Christophe Colomb parce que les vélos ils sont dans le même sens que la circulation les automobilistes pour tourner ne doivent regarder que dans un sens. Donc, c'est un projet, oui, nous le, nous le pensons comme ça, de sécurisation. Oui. Puis oui, de mettre des, des opportunités cyclables pour les gens qui font du vélo. On ne demande pas à tout le monde de faire du vélo, mais ceux et celles qui le font, qui sont de tous ans, je tiens à le rappeler, bien, on, nous, on a notre responsabilité de leur offrir des aménagements sécuritaires. Et oui, là, je vais clore y... là-dessus, M. Larocque, parce qu'on a fait. Un aller-retour, okay. question et sous souvenir. Vous venez de dire quelque chose qui est bien. Sûr. Larocque, bien m. Larocque, vous m'écoutez par la suite. Mais pas, les, Larocque, les cyclistes ne respectent pas le sens unique. Monsieur Larocque, voilà. Il il se promène nord-sud, c'est partout. Merci beaucoup. Bonne Donc, soirée. On surveille à droite, mais il n'y en a rien pareil. Donc, j'inviterai maintenant Pierre Lucier. Alors, je voudrais souhaiter bonsoir à tous bonsoir. les membres du conseil, y compris la, la mairesse, Mme Tuillier. Moi, ma question, c'est sûr que ce n'est pas aussi dramatique que la, la crise du logement, euh, j'en conviens, puis euh, de ce que monsieur ici parlait tout à l'heure à propos des commerçants. Mais je me demandais, est-ce que... Euh, il y a une règle dans l'arrondissement de cartier ville en ce qui concerne la création de zones de débarcadère pour les garderies, les CPE et peut-être les cliniques médicales, dentaires et autres. Est-ce qu'il y a une règle qui existe, un règlement ou une, une disposition que les gens peuvent se servir si vous ouvrez une garderie pour avoir des places? Euh, qu'on qu dit débarcadère je ne pense pas qu'il y ait de règles. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Et justement, l'objectif, parce que quand il y a une règle, il faut la baliser dès le départ, ce qui n'est pas très flexible et pas très agile. Donc, euh, dès qu'il y a une demande, puis l'arrondissement en reçoit régulièrement. Donc, je peux vous dire que oui, il y a des débarcadères pour des écoles, pour des garderies, il y a des débarcadères pour toutes sortes d'institutions. Mais il faut que l'institution en fasse la demande à l'arrondissement. On a une équipe technique et euh, les équipes s'assoient. Avec les gens pour valider le besoin, parce que le débarcadère, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est en 15 minutes, est-ce que c'est telle chose? Donc, oui, assurément, toutes ces démarches sont faites régulièrement sur demande. Parce que je me demandais, par exemple, les parents qui ont des enfants qui s'en vont travailler le matin, qui laissent leurs enfants à la garderie et qui continuent sur le chemin du travail, est-ce qu'ils est qu vont pouvoir continuer à exercer ce. À Faire ce, ce trajet, accomplir ce, cette, euh, cette démarche, de travailler de cette façon-là, ou si au contraire, ils vont être obligés de les stationner dans une rue transversale avec les travaux qu'on prévoit là, sur Henri Bourassa alors, ah vous parlez d'Henri Bien, En fait, ça va être sur les rues transversales. Puis je vous dirais, quand on est parent et avec enfant, c'est beaucoup plus pertinent de descendre sur une rue transversale tranquille qu'en plein Henri Bourassan. Donc, le travail a été ouais. fait avec toutes les institutions. Pour les garderies, les débarcadères vont être sur les rues transversales. Et je vous invite à réécouter, là, si vous ne l'avez peut-être pas écouté, ouais, la séance écouté. du 7 décembre, mais vous avez vu qu'il y a deux débarcadères qui sont prévus. Dans la voie réservée. Ah, okay. hein, une en face des habitations de ben, ben, avec l'UFA, Puis l'autre en face des habitations d'Auteuil. Okay. Donc on a deux débarcadères pour les personnes en Mais il y a pourtant 4-5 garderies dans votre secteur. Ah, de la jeunesse, même jusqu'à Bois-de-Boulogne, il y en a au moins cinq garderies. C'est apparu là, au fil des années, ça. Mais ça, Comme je vous dis, on va terminer là-dessus. Les débarcadères pour les garderies sont regardés avec toutes les institutions. Elles sont en contact avec les équipes. Oui, oui. Pour les garderies, c'est sur les rues transversales. Mais pour les deux édifices où il y a des personnes âgées et à mobilité réduite, le débarcadère sera sur Henri-Bourassa, dans la voie réservée. D'accord. Merci. Merci. Alors, j'invite maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient posé leurs questions? par Internet à l'avance et qui voudrait plutôt la poser en de vive voix. Oui, monsieur, vous avez envoyé une question par Internet? D'habitude, ah, ben, euh, en tout cas, vous avez juste droit à une, mais c'était quoi votre nom? Oui, mon nom Jean Aumont. Jean Aumont. Oui, ça. Je reste dans le... Et vous aviez posé, oui, donc la question numéro 9. Donc voilà. Je, ben, écoutez, je reste dans un cycle depuis 61 ans. Je connais le quartier très bien. Mes voisins, ils me connaissent tous. Puis, ils viennent toujours me poser des questions à moi. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui est, la, qui, est le, qui est le responsable. <laughs> mais écoutez, on s'inquiète énormément de cette voie rapide que vous voulez faire avec les pistes cyclables, puis euh, les, les autobus. Puis, je, je, vous ne savez pas, mais vous faites des petites modifications des fois sur des rues là, qui ont des impacts énormes. Énormes, okay? énormes. Énorme. Au coin de la rue Jeanne-Mans, par exemple. Okay? On arrive au coin. Jeanne Mans puis Henri Bourassa. Vous avez décidé de mettre des poteaux pour vous empêcher de tourner à droite puis de tourner à gauche. Il faut juste aller, comme aller tout droit. Là, on est tout en ligne pour sortir le matin. Ça prend huit minutes. Je recule de mon travail chez moi. Là. Je reste entre Gouin et Jeanne Mans, en fait Daser puis Jeanne Mans, juste pour tourner à droite. Ça prend huit minutes. Et depuis que vous avez fait ça. est-ce tu quelqu'un qui avait besoin d'obligation de faire ça? Puis on se demande aussi, là, les, les, voies, les voies en ce moment, on a trois voies d'automobiles qui, qui roulent sur, sur, sur Henri-Bressa dans les deux directions. Y a-t-il quelqu'un qui a pris le nombre d'automobiles qui passent là entre 6h puis 9h le matin, puis 4 heures puis 7 heures le matin? Puis là, comment est-ce qu'on va passer de trois voies à une voie et demie? Parce que c'est pas deux voies que vous allez laisser. Là. Vous allez laisser une voie, puis la voie qui va tourner à gauche, mettons pour aller, que ce soit sur, sur Saint-Laurent, si vous en allez vers l'ouest ou n'importe quoi, elle, elle va être complètement bloquée tout le temps. Fait qu'il va rester juste une voie pour sa même quantité de trafic là. Ça n'a pas de bon sens ce que vous faites là. Ce projet là, il est fou. Moi en tout cas, moi c'est mon opinion, puis c'est l'opinion d'à peu près une dizaine de personnes dans, dans, dans l'entour de chez moi. Puis je sais pas pourquoi ils m'ont demandé de venir vous voir. Puis j'ai jamais fait ça mais j'ai décidé de là puis d'écrire parce que <laughs> on considère ça complètement fou. Mais merci, je vais passer la parole à madame Goulet. Ben écoutez, euh, merci Monsieur Aumont pour euh, vos questions. On les a reçues aussi en ligne, il y en avait beaucoup, beaucoup. Oui, je sais. Alors, euh, mais si vous me donnez le temps de répondre, je pourrais vous expliquer les grandes motivations derrière le projet du Corridor de mobilité durable Henri Bourassa. Mais sur Jeanne mance Henri Bourassa, quand on fait ce que vous appelez des, les saillies de trottoirs, c'est pour diminuer l'espace de traverse. Alors, compris et c'est pour les, Mais, les populations vulnérables. j'aimerais vraiment avoir le temps. ça, monsieur monde vous avez parlé. maintenant, c'est madame goulet qui réagit. je les comprends. le changement, surtout quand ça touche nos réalités, notre quartier, Alors, ça prend du temps, des fois. Mais avant, il pouvait y avoir jusqu'à trois voitures qui oui. voulaient rentrer sur Rimbourassa. C'était normal. Ça fait ex... 60 ans que c'est comme ça. Okay. Ça marchait très bien. Excusez-moi, M. Marche... Aumont, on ne s'entendra pas. Non, non. ça ne marchait pas bien. C'est extrêmement dangereux pour okay. les enfants oui. qui vont à l'école. À pied, c'est un corridor scolaire. Moi, j'habite dans ce quartier-là aussi, au nord de Rimbourassa. J'ai traversé avec mes trois enfants pour aller à l'école Saint-André-Apôtre. 17 ans, ce bout, cette autoroute urbaine. Je la connais très bien, moi aussi. Oui, Et je vous dis il y avait des changements à faire et le corridor de mobilité durable qui s'en vient. Écoutez, Henri Bourassa, c'est 18 km. Hein? Ben, on va travailler, c'est plus long que ça encore, mais on va travailler sur 18 km entre Montréal Nord et Saint-Laurent. Okay? La phase 1 commence de, déjà sur Saint-Laurent cette année. La phase 2, mais qui va impacter des gens là, avec le métro Henri Bourassa, c'est l'an prochain qu'on va. Donc, c'est un axe hyper-névralgique, pas juste pour notre quartier. Pour tout le nord de Montréal. Actuellement, c'est huit voies. C'est une autoroute urbaine presque consacrée en totalité aux voitures. Ça peut plus durer en 2023, malheureusement, 2024. Le contexte aussi a changé avec l'arrivée prochaine des stations du REM dans l'Ouest. Il faut connecter tout ça comme il faut. Les besoins en transport collectif ont aussi augmenté. Et les modes actifs sont de plus en plus populaires. Et on a besoin de développer le réseau express-vélo sur les grands axes urbains à Montréal. Si vous me donnez le temps, est-ce que je peux le, en prendre pour les trois, pour les autobus, pour le transport actif et pour les piétons? J'aimerais ça vous donner certains arguments. Puis d'ailleurs, je vous invite aussi à visionner elle est depuis aujourd'hui sur le site de, de réalisons montréal toute la séance d'information de jeudi dernier avec la période des questions et il y a un document pour répondre aux, aux 150 questions qui ont été posées, on a répondu à 50, là, mais il y a un document question-réponse qui va être produit et sur le site, vous pouvez tout trouver, je vous donne l'info après. Mais écoutez, pour les autobus, ce qu'on a appris durant cette séance-là, c'est qu'en Bourassa c'est l'axe le plus achalandé de tout le réseau de la STM en ce qui concerne les autobus. Il y a 12 000 personnes aux heures de pointe le matin le soir et 17 000 aux heures creuses, imaginez encore plus de monde. Alors, mais 30% des autobus actuellement sont en retard aux heures de pointe. Y 30%, c'est majeur. Le service rapide par bus la voie réservée tout le long, actuellement, il y a des petits bouts de voies réservées. Là, on va avoir une voie réservée tout le long, dédiée en continu, va amener plus de rapidité, donc des gains de temps, puis plus de fiabilité, donc de la ponctualité. On a besoin de ça pour déployer un réseau de manière plus optimale vers le métro et vers les grands générateurs de déplacement. Pour le transport actif, le vélo, mais aussi pour la marche. Bien, on doit offrir aux cyclistes de tous âges, Madame Thullier l'a dit, un axe continu et protégé, plus sécuritaire pour traverser les voies ferroviaires et les autoroutes, confortable, rapide, en toute saison. Le réseau du rêve, par exemple, doit être connecté au Cégep Bois-de-Boulogne. Il l'est pas, au Technoparc et ensuite jusqu'à Montréal Nord vers l'est. Pour les piétons et les résidents du secteur comme vous et moi, il faut absolument redévelopper cet axe-là qui est trop dangereux. Il y a énormément d'intersections accidentogènes. Il y a eu plusieurs accidents mortels. Euh, le commandant pourrait en témoigner. Euh, c'est inhospitalier pour les piétons. Marcher sur un Bourassa, imaginer, c'est épouvantable, le bruit que ça fait. Les trottoirs vont être faits. Et actuellement, c'est un immense îlot de chaleur et on nous a dit qu'il y aurait du verdissement. On va planter des arbres sur tout le terre-plein. Donc, le stationnement sur rue, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on regarde chaque situation de chaque commerce au cas par cas depuis plusieurs semaines. 90% des parties prenantes ont été... Rencontrer et on travaille très. Et il y a de la place. Hein, il y a 300 places disponibles sur les rues locales. Notre cadre bâti fait que beaucoup de gens ont des entrées chartières. Il y a de la place. Puis ça ne sera pas, ça n'ira pas jusqu'à Gouin, là, ni vers le sud. Là. Mais il y a des places déjà qui existent, même dans certains endroits, pour les, les commerces à proximité. Là, sur les rues, les commerces sont souvent sur le coin de la rue. Au lieu, le stationnement, au lieu d'être sur Henri-Bourassa, il va être juste à côté. Pour vos autres questions, donc, je vous invite à. Euh, visionner euh, l'enregistrement euh, sur le site Réalisons Montréal. La présentation est là également. Et euh, une autre séance aussi est prévue ce printemps pour les travaux, pour vraiment informer les gens des travaux qui vont venir. Moi, je vous dis, je connais bien mon quartier comme vous et je crois qu'un axe, la mobilité doit accompagner le développement. Le développement aussi économique, le développement monsieur, de monsieur. nos institutions, le développement commercial. Ayez confiance. On va gérer comme il faut le changement. Je suis prête à aller vous rencontrer, vous et vos voisins, oui, pour plaisir. répondre à toutes les questions. Écrivez-moi, ça me fera plaisir. J'aimerais juste passer un autre commentaire. Oui, allez-y, M. Monde, c'est à vous maintenant. que vous avez fait sur euh, f, euh, Prière, entre euh, Direction Est, euh, dans le coin de Jeanne-Mance, entre Saint-Laurent, mettons, puis Hogue, euh, ou quelque chose comme ça, mm -hmm. j'ai jamais vu un accident en 61 ans, 40 ans que je, je conduis. Depuis que c'est là, je vois des gens qui marchent avec leur enfant dans la piste cyclable, puis je vais faire mon marché deux fois par mois, puis je reviens par prière. Les deux fois, il y a un enfant qui a failli se faire tuer par un automobile. Parce que les petits-enfants de trois ans, ils, ils passent, ils roulent, puis ils zigzaguent, puis ils sortent de la piste cyclable, puis ils se ramassent dans la rue. qu'il il y a un monsieur qui avait un camion, il a manqué d'à peu près trois pouces. L'autre personne, c'est des gens, des gens qui marchent à pied avec leurs enfants, puis qui prennent la piste cyclable comme une place pour marcher. Il y a un trottoir, mais ils prennent la piste cyclable pour marcher. Qu'est-ce qui arrive Le petit enfant, il tire sur le bras de sa mère. Puis sa mère, elle le retient, elle essaie de le tenir. Le petit enfant, il tombe, il tombe dans la rue. Il est tombé en avant d'un auto. Une... Écoutez, j'ai passé, passé là peut-être quatre fois dans mon été. Il fallait avoir deux morts. Je ne trouve pas que votre piste cyclable est sécure du tout, du tout, du tout. C'est juste un autre commentaire que j'avais pour vous. D'accord. Okay. Madame Goulet. L'autre chose, j'aimerais bien savoir comment ça prend le temps en ce moment pendant le, pendant le trafic. Entre, mettons si vous partez de l'Acadie pour vous rendre à Papineau, puis qu'après votre changement en auto, qu'est-ce que ça va prendre comme temps pour partir de l'Acadie à Papineau? Parce que ça, les voies, là, c'est pas possible que vous passiez trois voies de large dans une voie et demie. Ça va prendre au moins deux, trois fois le temps. Merci, si, madame Goulet. Oui, ben écoutez, pour la piste prieur, euh, on l'a sécurisé au maximum. Évidemment, un maille de béton continu ou une, une sécurisation, c'est l'idéal. Mais on l'a, on l'a vraiment. Il y a énormément de signalisation. Euh, il faut, il faut. Euh, il y a, c'était une voie à double sens pour les automobiles avant. On ne pouvait même pas y faire du transport actif, y aller en vélo avant sur Écoutez, Prière. Mme, et sur Henri Bourassa encore, c'était m... ans. Okay. Monsieur Aumont, je suis désolée. C'est malheureux, là, okay. des situations qui peuvent arriver, mais je pense qu'on euh, doit, on doit offrir les meilleures conditions possibles pour euh, tous les types de transports, et notamment collectifs et actifs qui sont euh, sous-utilisés sous, ou euh, sous-desservis actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, il y a eu euh, une, une proposition de rencontre également là, qui serait à saisir au besoin. Est-ce qu'une autre personne dans la salle a envoyé sa question par Internet et souhaiterait la poser de vive voix? Non? Alors, nous allons avec les questions que nous avons reçues par Internet en commençant par Yann Andréo. Bonjour, je viens vous signaler mon mécontentement d'avoir transformé l'avenue de l'Esplanade avec vos voies cyclistes. Vu le nombre de gens, il n'y a pas assez de place pour garer nos véhicules. De plus, nous payons notre vignette. Je vous demande de trouver une solution car c'est une escroque, escroquerie à mes yeux ou une moquerie, un non-respect. Comment allez-vous sanctionner les cyclistes qui, respectent, qui ne respectent pas le code de la route? Je vous demande de trouver des solutions et de venir un samedi à la rencontre des habitants. Alors, je vais passer la parole à Mme Roy. Oui, merci, Monsieur Andréo, pour votre question. Euh, on connaît bien euh, le, la situation, puisqu'on on y passe très, très souvent. Euh, il y a en effet 25 places vignettes qui ont été euh, retirées. Il y a une analyse qui va avoir lieu pour euh, remplacer ces places qui ont été retirées. L'objectif, c'est de les redistribuer dans les rues avoisinantes. Pour ne pas pénaliser les détenteurs de vignettes. Donc, merci de nous avoir signalé votre inquiétude. Puis, je précise aussi que l'Agence de mobilité durable a fait une étude approfondie sur le stationnement dans le secteur, qui montre que le taux d'occupation dans tout le quartier de Saint-Simon. Et très variable, en fait, il y a certains tronçons qui sont très occupés, surtout la semaine avec les travailleurs du marché central, mais qu'il y a toujours, à faible distance de marche, des tronçons moins sollicités, moins sollicité, dans lesquels il y a toujours des places disponibles. Et l'Agence va réaliser, en 2024, une nouvelle étude, donc on aura des données plus à jour. Merci. Merci. On passe à la question de Daniel Raymond. À quel endroit les gens qui se servent des terrains de balle du parc Henri-Julien vont se stationner maintenant qu'il n'y a plus de place sur la rue Legendre? Je me sers des deux terrains depuis 2004, tous les jeudis, à partir de 18h30. 36 personnes qui viennent des quatre coins de la ville. Les mineurs se servent des terrains, les équipes viennent de tous les quartiers de la ville et de l'extérieur de Montréal. Et l'accueil des visiteurs est de trouver une place de stationnement à deux ou trois coins de rue de ces installations sportives. J'attends une réponse, s'il vous plaît. Alors, je vais passer la parole à Mme Roy. Oui, merci, Monsieur Raymond, pour votre question. Euh, on vous encourage évidemment, si vous avez de, de, de l'équipement pesant, à le déposer sur le terrain puis d'aller vous stationner un petit peu plus loin, puisque vous l'avez mentionné, il y, a, il y a plusieurs places sans vignettes qui sont disponibles autour du parc, à 2-3 rues, que, comme vous l'avez mentionné. Euh, il y a aussi d'autres solutions alternatives. Il y a un stationnement municipal qui est disponible au 50 Louvain-Ouest, donc qui est à euh, une petite dizaine de, de minutes à pied. Euh, je sais que vous avez fait ce, ce chemin au téléphone avec, notre, avec ma Collègue Madame Charbonneau. Euh, et il y a également, euh, un, comme vous le savez, deux, deux stations de métro euh, qui, sont, euh, qui sont accessibles à pied également de, du parc Henri-Julien. On va passer à la question de Sébastien Santoro. I live on uh, 9261 Berry. A construction site contracted by the STM has blocked my private. private entrance which will last for about 3 years. There have been negotiations concerning compensations that start off in bad faith. Today, a year later, I still, not cannot, I still cannot use my private property and no settlement has been established. I would like to point out that this is an isolated... Isolated? case, which concerned just a few individual citizens around the construction area. I do understand that certain construction jobs <laughs> have to be done due to public safety. What I don't understand is how can the city give a permit to the STM and not have them negotiate in good faith before the per permit is issued by the City of Montreal? Présentement, le STM a tout le pouvoir et a dicté leur compensation, ce que je ne accepte pas. to me, moi, leurs calculations ne sont pas My Ma question est what ce qui peut être fait pour résoudre ce problème long-lasting en bonne good sans without des lawyers. Je vais passer la parole à Mme Roy. Merci, M. Santoro, pour votre question. On est bien au fait de la, de la situation. De vos échanges avec la STM. Et puis, on comprend bien votre mécontentement. On a échangé plusieurs fois sur le sujet. On sait que vous êtes en contact rapproché avec la STM. Donc, on, je vous suggérer de continuer à l'être, puisque c'est un litige entre vous et cette organisation, et non pas avec l'arrondissement dantique cartierville Et en ce qui concerne le permis qui a été octroyé en bonne et due forme à la STM, en fait, c'est des travaux qui doivent obligatoirement être réalisés. C'est une question de nécessité, de, de sécurité pour améliorer le système de métro de, de, de la ville de Montréal. Merci. Donc, on passe à la question de Guillaume Hamel. Nous sommes sur Berry, au sud de Sauvé, de notre côté de rue et aussi sur plusieurs autres rues à proximité. Il y a des interdictions de stationnement pour faciliter la circulation durant les heures de pointe. Par contre, nous remarquons qu'il n'y a jamais de déneigement effectué dans ces périodes. Ne serait-il pas logique et extrêmement pratique de faire passer un véhicule pour effectuer un déneigement de qualité alors qu'il n'y a aucun véhicule de stationné? Je suis conscient qu'il y a plusieurs aspects à considérer dans la coordination du déneigement, mais je suis aussi conscient que ce n'est pas toujours facile d'avoir des sections complètes de rue sans voiture et qu'il serait bien de réfléchir collectivement à voir si nous pouvons profiter de cette situation. Alors, je vais passer la parole à notre directeur des travaux publics, Monsieur Paquin. Merci, Mme euh, Ben Oui, comme vous le disiez, euh, il y a plusieurs aspects à considérer. Euh, J'en aurais quelques-uns à vous mentionner vite fait comme ça. Premièrement, <coughs> ben, il arrive que lorsque la plage de 8h à 9h30 euh, de restriction de stationnement vient en vigueur, ben, le déblaiement est déjà terminé. On n'a plus de machines euh, sur les lieux. En plus, au sud de Sauvé, c'est un entrepreneur qui déneige. Donc, lui, l'entrepreneur, une fois qu'il a terminé son déblaiement, Bien, il s'en va chez lui, puis il ne reviendra pas là, pour la, la voie réservée, si on veut. Puis aussi, euh, l'enjeu dans notre arrondissement, c'est contrairement à un arrondissement comme le Plateau, là, qui ferait ça sur euh, Saint-Denis, admettons, c'est que sur Saint-Denis, il n'y a pas d'entrée chartière. Donc, si la neige est bien entassée en bordure de trottoir pendant la plage, qu'il n'y a pas de, pas de stationnement, bien, elle va rester là, bien alignée en bordure de trottoir. Tandis qu'ici, il y a des entrées chartières beaucoup. Et puis là, les gens, ils vont soit eux-mêmes ouvrir leur entrée chartière pour pouvoir sortir leur voiture ou encore le faire faire par un entrepreneur avec un petit pick-up, un tracteur. Puis là, bien, cette machine-là va prendre la neige, puis va refaire un tas, puis ça va rebloquer la voie comme euh, 15 minutes après de toute façon. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de solution gagnante à part du moment où on procède au chargement. Mais c'est une très bonne question que vous posez. Puis oui, il y a lieu de, de faire mieux. Mais ici, avec la configuration des rues, puis la, les multiples entrées chartières, c'est difficile de garder… Euh, la neige bien collée sur le bord du trottoir. Là. Merci. On passe à la question de Marjolaine Labelle. Nous avons soumis une demande de vignette il y a plus de trois ans. Nous avions suivi la procédure officielle, pétition, etc., et on nous a donné un numéro de suivi. Mais il semble que ce dernier ait été modifié. Lors de différents suivis subséquents, on nous avait recommandé d'appeler au 3-1 à chaque fois qu'il était impossible de stationner à proximité de, no de notre domicile. Nos voisins aussi ont appelé au 31 à de nombreuses reprises. Par contre, voyant que le problème de manque de stationnement ne s'améliore pas dû au grand nombre de voitures de non résidents, nous aimerions savoir combien de temps encore le dossier sera à l'étude avant que les vignettes ne soient installées. Finalement, est-il possible d'être avisé ou consulté sur la sélection des plages horaires de stationnement autorisées qui seront mises en place Je passe la parole à Madame Goulet. Oui, merci Madame Labelle pour votre question. J'ai déjà eu d'ailleurs le plaisir de vous répondre par courriel il y a quelque temps à ce sujet-là. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que votre secteur a été jugé vraiment euh, prioritaire pour euh, des implantations ou des révisions de places de stationnement sur rue réservées aux résidents, là, les fameux S3R. Euh, à cause évidemment de, du grand nombre de requêtes qu'on reçoit euh, citoyennes, mais aussi de la présence du métro sauvé, là, puis de grands générateurs de déplacement. Donc, ils seront parmi les premiers qui seront travaillés. On n'a pas encore d'échéancier, malheureusement, pour ce travail, mais on est en train de planifier euh, l'année 2024. Euh, ça pourrait être fait en 2024 ou plus tard, selon euh, si on priorise euh, les, les analyses S3R, euh, parmi tous les projets de mobilité qu'on doit faire. Mais j'aimerais aussi apporter une rectification. Euh, C'est une mauvaise information du 311. Là. Il ne faut pas appeler le 311 chaque fois qu'une euh, qu personne a des problèmes de stationnement. Là. Mais euh, le 311 est donc avisé là-dessus. Ça ne ça fait pas avancer vos demandes. Il faut vraiment déposer une demande de S3R et ou écrire à, à son élu pour, pour ces questions-là. Merci. Merci. On va passer à la question de Sandrine Moquin. J'aimerais savoir si c'est possible d'arrêter d'avoir ces sirènes interminables lors du déneigement et de tout simplement remorquer les voitures qui n'auront pas respecté la signalisation d'interdiction de stationnement pour le chargement de neige. C'est très agressant et dérangeant. Alors, merci, Madame Moquin, pour votre question. Puis, euh, mon Dieu, qu'on est d'accord avec vous. Le seul problème, c'est que de seulement remorquer les véhicules qui sont là, en fait, malheureusement, c'est bon pour personne. Parce que euh, le temps de faire remorquer, ben déjà, faire remorquer, ça coûte cher. Puis malheureusement, là, dans le système où on est, jamais la contravention n'arrive au stade là, de ce que ça coûte collectivement de faire remorquer un véhicule. Et euh, ben, de faire remorquer un véhicule, surtout quand il y en a plusieurs, quand on est en déneigement, mais ben, c'est très long. Puis pendant ce temps-là, ben, les opérations de déneigement sont ralenties, mais pas juste sur la rue, là, dans la chaîne au complet. Donc, euh, c'est pour ça qu'on met tout en place pour vraiment faire en sorte que quand le convoi de déneigement et de chargement, plutôt de chargement, arrive, qu'il n'y ait plus de voitures en place. Bien sûr, d'abord, il y a les pancartes. Ensuite, il y a l'application Infoneige, hein, puis il y a des gens peut-être qui le, ne le connaissent pas, mais c'est une application extrêmement intéressante. On voit vraiment presque en temps réel là, les opérations de chargement se faire. Puis, en dernier recours, bien, il y a les sirènes. Donc, euh, c'est vraiment pas, pas parce qu'on a envie de faire des sirènes qu'on le fait. C'est vraiment une question d'efficacité, de coût, de bénéfice et euh, de rapidité du chargement pour l'ensemble de la collectivité. Évidemment, on demande à chaque individu de faire attention et d'enlever sa voiture à chaque fois qu'il y a des opérations. Si tout le monde faisait ça, bien, il n'y en aurait pas de problème. Ceci dit, malgré tout ce que je viens de dire et parce qu'on est tout à fait d'accord avec vous, en ce moment, parce que c'est la Ville de Montréal qui s'occupe euh, de l'ensemble des contrats de déneigement et euh, qui voit à, euh, faire les appels d'offres et donc avoir aussi le résultat des appels d'offres et qui paie les coûts euh, du, euh, du déneigement, il y a un projet pilote pour un peu l'ensemble de la Ville de Montréal qui a lieu en ce moment là, sur le plateau Mont-Royal et je pense une partie euh, du quartier Rosemont. Donc, euh, il y a un territoire de la Ville de Montréal où on fait l'essai de ne pas avoir de sirène de déneigement après, je pense, 22 heures le soir, ou en tout cas, de, pendant la nuit. Et, euh, bien, évidemment, on, on va, euh, pas on va, mais les gens sont en train de monitorer euh, les résultats, puis après, ça nous permettra de prendre des décisions pour le futur, pour les futurs contrats de déneigement pour euh, l'ensemble de la Ville de Montréal. Donc, euh, on comprend tout à fait euh, votre volonté. Ceci dit, malheureusement, on est encore, pour l'instant, à devoir avoir euh, ces sirènes mais on n'en aurait pas besoin si tout le monde suivait les règles. Alors, j'invite maintenant, pas j'invite, euh, j'invite maintenant, oui, Mme Châteauvert à lire la question de Richard Williams. Au CA de novembre, vous avez mentionné que l'arrondissement effectue des analyses pour apaiser la rue Legendre et le quartier. De mémoire, l'arrondissement a déjà effectué plusieurs analyses en 2020 avant l'implantation de deux panneaux d'arrêt qui a eu zéro impact sur la circulation sûrement en 2022 avant l'implantation de la piste cyclade, le légende de l'esplanade qui a eu zéro impact sur la circulation et maintenant il est évident pour tous que le secteur a besoin d'apaisement il est encore plus clair que l'arrondissement reconnaît le problème il est peut-être temps d'arrêter de faire des analyses et agir si vous révisez votre plan d'apaisement avec l'humain en premier vous allez identifier plusieurs solutions au lieu du fameux statu quo qui n'a rien donné aux citoyens il faut aller plus loin dans le raisonnement. J'invite Mme Roy à prendre la parole pour répondre à la question. Merci, M. Williams, pour votre question mensuelle. On se connaît bien. Vous savez que l'apaisement de la circulation, c'est une priorité pour tout le monde autour de la table ici, pour vous aussi. Vous le savez qu'on aimerait aller plus vite, mais que quand on mesure le travail effectué ces dernières années, ben on voit que ça paye. Je sais que vous connaissez la liste, là on s'en parle souvent, mais je me permets quand même de rappeler quelques réalisations. Par exemple, les 120 dodanes annuels, surtout dans les rues locales, puisque vous le savez, on doit avoir l'accord de la ville-centre quand c'est des rues artérielles, comme c'est le cas de Legendre, vous le savez. On a bien avancé sur Youville avec une dizaine de panneaux d'arrêt qui ont eu un impact. Même si vous ne partagez pas cet avis, c'est n'est pas ce que nous disent les parents de l'école christ ou de plusieurs garderies du quartier qui remercient l'installation de ces panneaux d'arrêt à chaque fois qu'on se croise. Et on va faire la même chose dans l'ensemble des quartiers de la ville, comme par exemple dans Saint-Simon que vous citez. Il y a aussi eu des mesures d'apaisement autour d'une dizaine d'écoles ces deux dernières années. Je cite notamment la mise à sens unique à la demande de l'école de la rue Saint-Simon-Waverly. Et pour 2024, on a déjà annoncé plusieurs mesures phares sur lesquelles on va travailler. Des affichures de vitesse qui vont être installées dans les rues avec une vitesse trop élevée comme sur Berry et l'interdiction du stationnement aux 5 mètres. Donc, on n'est pas dogmatique, on se base sur le plan local de déplacement, on fait des analyses par les experts, par nos services, par l'Agence de mobilité durable pour apaiser les rues et favoriser le transport collectif et le transport actif. Donc, ça ne se fait pas en une nuit, ni même en un mandat, mais on avance. Donc, merci pour votre patience, et puis moi, je suis consciente, confiante que d'autres aménagements vont arriver, puis que vous allez pouvoir mesurer la, la, la différence. Merci. Donc, on va passer à la question de Jean-François Thibault. Bonjour, comme il y aura un corridor de mobilité complet sur Henri-Bourassa incluant un rêve sur plus de 18 km, est-ce que la ville peut enlever la piste cyclable sur Gouin et sur Prieur et redonner de la fluidité de circulation aux résidents du secteur en voiture qui vont être grandement, grandement impactés par le retrait de voies de circulation sur Henri-Bourassa Je vous remercie pour votre question puis je vous invite là, je pense que à lire la question. Probablement que vous n'étiez peut-être pas avec nous le 7 décembre parce que cette question a été répondue, mais je vous invite à, à prendre connaissance là, de la documentation et vous pouvez réécouter la présentation du 7 décembre. C'est disponible sur le site de Réalisant Montréal. Donc, en fait, euh, je comprends très bien votre question. Ceci dit, c'est comme un peu, si on disait, bien, il y a Henri Bourassa pour les voitures, pourquoi est-ce qu'il y a des voitures qui passent sur Fleury ou qui passent sur Sauvé? Hein? Pourquoi avons-nous besoin de différentes rues? Euh, c'est exactement la même chose avec les pistes La piste cyclable Prieur, d'ailleurs, on vient d'en parler tout à l'heure, c'est une piste vraiment de quartier, euh, qui relie des écoles, qui sont vraiment pour... Euh, plus euh, les enfants, plus euh, pour euh, des personnes là, qui ont besoin de transiter dans leur quartier. La piste cyclame sur Gouin... Bien, on la laisse là parce qu'elle est là depuis 40 ans et euh, elle a sa raison d'être parce que c'est Gouin puis c'est le nord de l'île et euh, ça s'en va euh, plus au nord euh, vers l'ouest et ça relie aussi euh, bordeaux ville mais elle n'est absolument plus aux normes d'aujourd'hui. Euh, qui plus est, à de nombreux endroits, la pisciclame sur Gouin est à, au même endroit qu un, qu un, que le trottoir et qu'un arrêt d'autobus. Hein, donc, on est nombreux et nombreuses sur un minuscule trottoir à aller en vélo dans les deux sens, plus les piétons, plus les gens qui prennent l'autobus. Donc, on ne va pas l'enlever, mais force est de constater qu'on euh, a besoin d'avoir une autre piste qui est vraiment plutôt fonctionnelle. Et c'est là que la piste club Henri Bourassa arrive. Et euh, si vous voyez sur une carte, c'est sûr qu'à un certain tronçon, peut-être qu'elles ont l'air très proches, ces pistes-là, mais plus on s'en va vers l'ouest, elles sont très, très loin les unes des autres. En fait, Prieur n'existe juste plus parce qu'elles butent sur la rue Meilleur, mais ensuite, Henri-Bourassa et Gouin sont très loin les unes des autres vers l'ouest. Donc, c'est pour ça qu'il y a la nécessité de conserver autant les pistes clames qui ont été faites il y a 40 ans où il y a trois ans, et euh, cette nouvelle piste clame -là, qui sont sur henri Bourassa, elles, elles ont des fonctions différentes, tout comme euh, les rues pour les autos ont souvent des fonctions différentes également. Donc, on va passer maintenant à la question de David Lemaire. Madame Roy, merci pour votre réponse du mois dernier, mais vous avez oublié de répondre à la question la plus importante. Quel sacrifice allez-vous demander aux 10 000 voitures qui circulent dans les rues de notre quartier vous avez demandé à tout le monde de s'adapter à la piste cyclable, sauf les motorisés, ce qui est franchement bizarre basé sur, sur votre plateforme de réduction GES Vision Zero. Je vais passer la parole à Mme Roy. Merci, M. le maire, pour votre question. J'aime pas la notion de sacrifice que vous avez mentionné dans votre question. On est là pour construire des milieux de vie apaisés, des quartiers durables. Donc, toutes les mesures qui sont mises en place aujourd'hui, on le fait pour le bien collectif et pour les générations futures. Donc, je rappelle que toutes les études qui soulignent à quel point les, à quel point les villes sont au cœur de, de l'action de, de la, de et de l'adaptation à la crise climatique. Pour le flux d'auto, ce n'est pas l'arrondissement seul qui gère le nombre d'autos qui entrent et qui sortent de Montréal. Donc on collabore avec beaucoup de parties prenantes, avec la ville-centre, mais avec la CMM également, pour développer du transport collectif dans les <laughs> municipalités, dans les banlieues, pour justement pouvoir réduire le nombre d'autos qui sont nécessaires. Donc c'est un travail de longue haleine pour mettre en place des, des, des projets de, de transport collectif structurants. Je me permets d'en citer deux qui sont déjà en travaux en ce moment le prolongement de la ligne bleue et le corridor de mobilité durable sur Henri-Bourassa, qui vont permettre de réduire le nombre d'autos et surtout le nombre d'autos solo. Donc, c'est en encourageant le transport collectif et le transport actif qu'on va pouvoir, sur le long terme, réduire le nombre d'autos. Je me permets toutefois de rappeler que. Euh, on a, il, y a des, il y a des places de stationnement qui ont été enlevées pour sécuriser les déplacements des cyclistes sur le gendre et qu'on continue à apaiser le, le quartier et tout le secteur. Il y a plusieurs mesures qui sont en analyse actuellement pour en faire un territoire qui est davantage à échelle humaine, mais on continue de travailler en collaboration avec les résidents, avec les commerçants aussi et de les autres instances que je viens de nommer. Donc, la transformation du secteur, c'est un travail de longue haleine qui n'arrivera pas du jour au lendemain. Merci beaucoup. On passe à la question de Martine Gagnon. Je suis résidente du quartier Youville depuis plus de 30 ans. À l'été 2023, l'arrondissement a lancé un appel de projet pour des commerces de proximité dans Youville. Une date de septembre 2023 avait été identifiée pour valider les projets et confirmer la faisabilité. Est-ce qu'il y a des nouveaux commerces à venir dans, pour notre secteur ou allons-nous de, demeurer un désert alimentaire? Alors, je passe la parole à Mme Roy. Merci Madame Gagnon pour votre question sur ce, ce concours de PME Montréal. Euh, ça me permet de pouvoir présenter les résultats, puis je vais élargir en vous présentant d'autres initiatives sur lesquelles on travaille pour relancer la rue la jeunesse. Euh, donc d'abord, le, le concours que vous mentionnez s'est terminé au 31 août. Euh, il y a plusieurs discussions qui sont encore en cours avec les services de développement économique, mais il y a déjà un commerce qui... Euh, vous avez peut-être vu son enseigne euh, qui s'est installée sur la rue Crémazie, euh, Miss Cream Roll, qui était une pâtisserie à Laval et qui vient de, de s'installer dans Hensic euh, et qui va ouvrir bientôt. Donc, c'est une bonne nouvelle pour, pour justement tout l'aspect alimentaire. Il y a d'autres discussions qui sont en cours et d'autres commerces, euh, mais qui ne sont pas alimentaires, qui sont concernés aussi par cette, par cette subvention. Euh, je, donc Comme je le mentionnais, je voudrais souligner d'autres initiatives qui vont avoir un impact majeur sur le secteur. Euh, D'abord, on travaille présentement à, à modifier le zonage pour faciliter l'arrivée de, de nouveaux commerces. Je souligne aussi la naissance de l'ACI, qui est l'association commerciale et citoyenne de Youville, euh, dont l'Assemblée la, générale de fondation a eu lieu au mois de novembre. Donc euh, c'est tout récent. Euh, et ça, ça rassemble les citoyens euh, motivés du secteur et les commerçants. Il euh, y a également un collectif d'achat alimentaires de, de, dans Youville. Qui regroupe des voisins qui passent des commandes en gros de fruits et de légumes chaque semaine, qui est ouvert à tous et à toutes, auxquels vous pouvez vous joindre. Et dernière nouvelle d'importance, on vient de recevoir un appui financier important de la ville-centre. Pour la vitalité commerciale de l'arrondissement, Madame Thully en a parlé dans son mot d'introduction. Donc, dans une, cette enveloppe de 2 millions de dollars pour 14 projets à travers la ville, on est content d'avoir été sélectionnés. Ça va nous permettre, entre autres, de développer pour, la, pour Youville une campagne d'achat local et d'autres, une campagne de signalétique sur la rue la Jeunesse et d'autres projets qui vont aider à revitaliser la rue. Donc, une relance économique, ça ne se fait pas euh, en, en une nuit, ça prend du temps, mais on est en train de mettre en place toutes les conditions nécessaires de succès pour attirer des nouveaux commerces et on y croit beaucoup. Merci. On passe à la question de Jacques Bastien. Ami mi-mandat, l'équipe Tuilier n'a strictement rien livré dans Youville-Saint-Simon. C'est un constat d'un éche échec d'équipe, pas d'une seule personne. Nous avons toujours les mêmes problèmes de parc en attente de réparation, des rues remplies de voitures, 500 mètres de pistes cyclables et très peu de commerce. Nous sommes loin des promesses d'apaisement du Vision Zéro et du commerce de proximité. Finalement, quand je compare notre district aux autres, il semble avoir beaucoup de favoritisme pour les districts qui sont habités par leurs élus. Il faudrait éventuellement rencontrer vos promesses pour continuer pour un autre mandat. Alors, je vais passer la parole à Mme Roy. Merci M. Bastien pour votre question, parce que ça me permet de faire un, un bilan sans rentrer dans les, les détails de ce qui s'est passé euh, de, durant cette première moitié de mandat. Euh, D'abord, vous allez recevoir, si ce n'est pas encore fait, dans votre boîte aux lettres le bilan de l'année 2023 euh, qu'on envoie chaque année à chaque adresse de l'arrondissement. Je vous invite à le lire avec, avec attention, mais je vais vous citer quelques réalisations qui ont été faites ces dernières années. Donc d'abord le parc Saint-Simon qui a été achevé enfin après plusieurs années de travaux. Les saillies citoyennes pour dégager les intersections aux 5 mètres, pour améliorer la visibilité. Il y en a plusieurs dans Youville, pas loin de là où vous résidez. Il y a une vingtaine de tronçons qui, juste dans Saint-Sulpice qui ont eu un ajout de d'âne. 10 panneaux d'arrêt qui ont été installés, des, mises, des rues qui ont été mises à sens unique. Plusieurs écoles qui ont été sécurisées, Saint-Simon, Saint isaac Jog avec l'ajout de saillies végétalisées. Le projet pilote de mutualisation de stationnement au district central. Deux nouvelles ruelles vertes, pas loin de chez vous également. Les premières pistes cyclables de l'histoire dans le quartier Saint-Simon. Les sentiers du parc Saint-Alphonse qui ont été refaits. Les nouveaux jeux d'eau du parc Henri-Julien. Des activités. Temporaires comme la station Newville, l'Esplanade Louvain, la prairie Louvain avec les tournesols qu'on soutient avec ferveur chaque année. 420 supports à vélo à travers l'arrondissement, plusieurs nouvelles murales, un espace nourricier, des espaces, des sites déminéralisés, des ateliers gratuits de vélo. Bref, je vais m'arrêter là, mais je vous inviterai à lire, comme je disais, le, le bilan, et euh, je vous encouragerai aussi au premier CA de, au premier conseil d'arrondissement de 2024 en février à lire avec attention la planification stratégique qui va être publiée. Euh, on va par exemple refaire le parc Jean-Martucci l'année prochaine, après la consultation, euh, le pavillon des baigneurs au parc Henri Julien et implanter des interdictions de stationnement en 5 mètres à grandeur de tout l'arrondissement. Donc merci pour vos encouragements, puis je vais vous envoyer une proposition de rencontre si vous voulez euh, avoir plus de détails. Merci beaucoup. Donc nous avons maintenant épuisé les questions. Alors nous allons à, euh, au point 10.06. C'est la période de questions des membres du Conseil. Est-ce qu'un membre du Conseil a une question? Non? Alors, nous passons à 10.07. Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 13 décembre 2023 en y ajoutant le point suivant, qui est le point 51.01, qui est de procéder à la nomination de trois membres du Conseil d'arrondissement à titre de président, de vice-président et de membre suppléant du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux ans. Alors, je propose l'ordre du jour tel qu'amendé. J'appuie. C'est adopté. 10.08. Approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 13 novembre 2023. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 12.01. Appuyer le projet de rénovation et mise aux normes de la toiture et de l'enveloppe du bâtiment du complexe sportif André. André Grasset, dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.01. Accorder un contrat à Creusage RL pour les services d'hydroexcavation incluant le traitement des matières résiduelles pour l'année 2024-2025 pour un montant de... 350 673 et 75 sous taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu six soumissionnaires pour le lot 5. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.02. Ratifier le contrat de gré à gré accordé à Elagage MC Incorporé au montant de 75 975 et 76 975 et sous taxes incluses pour des services d'arboriculture d'urgence rendu entre le 7 avril et le 5 juin 2023, à la suite du verglas du 5 avril 2023. C'est une imputation au Centre de coordination des mesures d'urgence. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.03. Ratifier le contrat de gré à gré accordé à élagage prestige incorporé au montant de 63 272 18 sous taxes incluses pour des services d'arboriculture d'urgence. À la suite du verglas du 5 avril 2023, et c'est une imputation au Centre de coordination des mesures d'urgence. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.04. Ratifier le contrat de gré à gré accordé à Service d'Arbre Hugo Incorporé au montant de 58 655 et 65 sous taxes incluses pour des services d'arboriculture d'urgence à la suite du verglas du 5 avril 2023. C'est une imputation au Centre de coordination des mesures d'urgence. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.05. Ratifier le contrat de gré à gré accordé à Arboriculture du Moulin Incorporé au montant <coughs> de et 719,60 sous taxes incluses pour des services d'arboriculture d'urgence à la suite du verglas du 5 avril 2023. C'est une imputation au Centre de coordination des mesures d'urgence. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.06. Approuver la Convention de service à intervenir avec Solidarité ANSIC pour l'accueil, l'accessibilité, la coordination de l'utilisation des espaces et le développement d'une programmation d'activités communautaires et de loisirs à la Maison du Monde située au 20 rue Chabanel-Ouest pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et autoriser une dépense totale de 29 616 taxes incluses. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.07. Approuver les conventions de service à intervenir avec Loisirs de l'Acadie de Montréal et Loisirs Sophie Barra pour l'accessibilité aux installations sportives pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux et autoriser une dépense totale de 63 504 dollars et $34 sous taxes incluses. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.08. Autoriser la réception d'une contribution financière de 250 000 provenant du service de la diversité et de l'inclusion sociale dans le cadre du programme d'aménagement urbain inclusif 2023 pour le projet de réaménagement du parc à Villa Vidal et autoriser l'affectation de ce montant au paiement des travaux en cours. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.09. Autoriser une dépense additionnelle de 33 415 taxes incluses afin d'augmenter le budget d'incidence dans le cadre des travaux d'aménagement du parc zotique Racico, majorant ainsi le dit budget de 71 000 à 104 415 taxes incluses. Je propose. J'appuie. C'est adopté 20.10 Accorder un soutien financier de 198 563 dollars à Prévention du crime anti ville pour la réalisation du plan d'action 2024 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et approuver la convention à cet effet. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.11. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 875 830 à différents organismes pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre des programmes loisirs, jeunesse et sport et approuver les conventions à cet effet. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.12. Approuver les projets de convention à intervenir avec différents organismes communautaires pour le prêt de locaux administratifs et d'entreposage au Centre culturel et communautaire de quartier Ville situé au 12 225 rue Grenet pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, moyennant des redevances totalisant un montant annuel de 50 749,59 excluant les taxes. Je propose, j'appuie, c'est adopté. 20.13. Approuver la modification et la prolongation du bail par lequel la ville de Montréal loue de M. Georges Perrier pour une période additionnelle de 5 ans, soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2028 des locaux d'une superficie de 325 m carrés au sous-sol de l'immeuble situé au 10 794 rue La Jeunesse, à des fins de loisirs et d'activités pour une maison de jeunes, pour la direction de la culture des sports, des loisirs et du développement social, pour un loyer total de 435 611,53 sous taxes incluses. Je propose, j'appuie, c'est adopté, 20.14. Accorder un contrat de gré à gré à Protection incendie Vision 360 incorporé pour l'installation des gicleurs dans l'Aile-Nord et Ouest du Centre culturel et communautaire de Quartier-Ville situé au 12 225 rue Grenet. C'est une dépense totale de 119 699,66 sous taxes incluses et c'est une imputation à la réserve immobilière de 109 301 et 64, 74 sous net de ristourne. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 20.15, accorder un contrat de gré à gré à Signalisation Qualitech qu incorporée pour l'acquisition et l'installation d'afficheurs de vitesse pour un montant de 89 dollars et 41 sous taxes incluses, c'est une imputation à la réserve développement de 61 dollars et 93 sous net de ristourne. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 30.01. Ou non, j'ai sauté un 20.16. Modifier la résolution euh, adoptée en 2022 portant le numéro 104 afin d'intégrer au montage financier un virement de crédit de 59 et 50 sous provenant de la ville centrale et ce, dans le cadre du contrat accordé à Comité écologique du Grand Montréal pour la protection et la mise en valeur du milieu naturel au parc des Bateliers de la merci et du Boisé de Saint-Sulpice pour l'année 2022. Je propose. J'appuie. C'est adopté. <coughs> 30.01. Prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 octobre 2023. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 30.02. Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 750 aux organismes suivants Service des loisirs Christ-Roi 500 et Service communautaire pour réfugiés et migrants 250 afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité. Je propose. Je puis. C'est adopté. 30.03. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 525 à différents organismes pour la période de montant indiquant en regard de chacun deux afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité. Je propose. C'est adopté. 30.04. Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la charte de la ville de Montréal métropole du Québec, de prendre en charge la réalisation des travaux de réfection mineure des trottoirs. Sur le réseau artériel administratif de la ville de l'arrondissement d'Antiquartier-Ville, dans le cadre du programme de maintien des infrastructures. Je propose, j'appuie, c'est adopté. 30.05. Offrir au Conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la coordination, la conception et la réalisation des travaux permanents de rue partagées sur le boulevard Gouin-Est entre la rue des prairies et la rue de, Main de Martigny de l'arrondissement dannecy cartier -car dans le cadre du programme d'implantation de rues piétonnes et partagées pour l'année 2024. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 30.06. Accepter en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal l'offre de service de la Division des services techniques et du soutien logistique aux installations du Bureau de projet et du développement des services aux citoyens de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Je propose. Je puis. C'est adopté. 30.07. Autoriser un virement de 25 623 provenant de la réserve développement au budget 2024 du programme Prévention Montréal. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 30.08. Affecter une somme maximale de 311, 311 000 750 euh, provenant de la réserve développement pour permettre la mise en œuvre du projet d'études de risque et conception dans le cadre du volet aménagement résilient du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Je propose. J'approuve. C'est adopté. 30.09. Affecte un montant de 390 dollars et 49 sous. Provenant de la réserve développement pour l'année 2024 afin de permettre la mise en œuvre du plan maître de plantation 2022-2031. Je propose, j'appuie, c'est adopté. 30.10, Offrir au Conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux d'aqueduc, d'égout et de travaux de remplacement des entrées de services en plomb sur les terrains privés en vertu du règlement 20-030. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 30.11 frère au Conseil municipal en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux de sécurisation et de réfection de certaines pistes cyclables localisées sur le territoire de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville dans le cadre du programme de maintien du réseau cyclable 2024. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 30.12. Approuver les dépenses relatives à des services d'utilité publique à une commande ou à un service prévu dans une entente cadre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, selon les budgets prévus à l'exercice 2024 du budget de fonctionnement et selon la planification des projets du programme décennal d'investissement 2024-2033, autoriser une dépense de 8 721 800 pour les dépenses prévues à l'exercice 2024 du budget de fonctionnement. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.01. Approuver la programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement d'Annecy-Cartier-Ville et édicter les ordonnances requises dans le cadre de ces événements. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.02. Édicter en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement une ordonnance afin d'interdire le virage à gauche sur le boulevard de l'Acadie en direction nord à l'approche de la rue Yvette-Brion. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.03. Édicter une ordonnance euh, en vertu du règlement sur la circulation et, et le stationnement, une ordonnance relative à la direction des voies sur le boulevard Gouin-Ouest en direction est, à l'approche ouest du boulevard Laurentien. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.04. Édicté en vertu du règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement, une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment projeté au 6170 rue Vanier, lequel sera érigé sur le lot 2 375 664 du Cadastre du Québec, de l'obligation de fournir deux unités de stationnement exigibles dans le cadre du projet de construction du bâtiment. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.05. Adopter une résolution relative aux règles et conditions pour la délivrance des permis annuels de stationnement sur rue réservés aux résidents résident et abroger la résolution portant le numéro 399 adoptée en 2020. Je propose. <laughs> J'appuie, pardon. C'est adopté. 40.06. Adopter le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial District Central pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.07. Adopter le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Quartier Fleury-Ouest pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.08. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 300 000 pour l'acquisition de mobilier urbain. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.09. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 4 10 000, 000 pour la réalisation des travaux du programme d'aménagement et de réaménagement des parcs. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.10. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 2 800 000 pour la réalisation du programme de réfection routière. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.11. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 5 124 000 pour les travaux d'aménagement et de réaménagement dans le cadre de la réalisation du programme de protection de bâtiments. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.12. Adopter le règlement sur la taxe relative aux services. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.13. Adopter avec changement le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC, la promenade fleurie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.14. Adopter avec changement le règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2024. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.15. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, une résolution visant à autoriser l'implantation d'un réservoir de CO2 et de son enclos en bordure de l'élévation nord du bâtiment commercial portant les numéros 901, 931 et 951 boulevard Cremasi-West. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.16. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un second projet de résolution visant à autoriser la transformation d'un bâtiment dérogeant à l'obligation de fournir un quai de chargement pour l'immeuble portant le numéro 9797 rue Tollhurst. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.17 adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un premier projet de résolution visant à autoriser l'usage de six logements pour les meubles portant les numéros 8900 à 8908 rue Saint-Hubert. Je propose, j'appuie, c'est adopté. 40.18. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un premier projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement de l'immeuble portant les numéros 827 à 855 boulevard Crimazie-Est. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Et je vous informe que pour les deux dossiers que nous venons de voir, le 40.17 et le 40.18, il y aura une Assemblée publique de consultation le 24 janvier 2024 à 18h ici même. 51.01. Procéder à la nomination de trois membres du Conseil d'arrondissement à titre de président, de vice-président et de membre suppléant du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux ans. Oui, alors je propose M. Jérôme Normand comme président, Madame Nathalie Goulet comme vice-présidente et moi-même comme membre suppléante. J'appuie. Et c'est adopté. 60.01. Prendre acte du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 4 octobre 2023. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 60.02 prendre acte du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 1er novembre 2023. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Ou on te comprend acte. 70.01. C'est affaire nouvelle. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Donc en 70.02, je propose la levée de la séance. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. On se revoit en 2024 pour une année à nouveau remplie de projets. Prenez soin de vous. Bon retour à la maison. Merci.